Le patron. Et C'est moi. moi. Salut les amis, comment ça va? Comment ça va tout le monde? J'espère que vous allez bien. Je suis en train d'ouvrir mes petites récompenses Match Day. Voilà, comme ça en attendant, on va discuter 5 minutes avant de lancer le live. Ça va les amis, un bon dimanche, j'espère chez vous. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça va se passer. Déjà, en fait, je voudrais... Ah merci mon virus! Merci pour ton sub mon virus, cœur sur toi. Pour ton resub, deuxième mois anniversaire. Merci, merci beaucoup mon virus. Ah, on a eu Kipembe, tiens, Presnel. Tu m'as envoyé mon équipe Seb. Oui, je crois que je l'ai vu. Hein. Ouais. Salut mon CC. Alors en fait, ce qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est que on va faire un live. Salut Mathieu, salut Adien. On va faire un live VS Abo. Mais en même temps. Yo mon Cardal. En même temps, on va faire un live débat. D'ailleurs, attendez, pourquoi mon truc il s'est pas mis là? En même temps, on va faire un live débat. Ce qui veut dire que si certains sont pas d'accord avec moi sur certains trucs, ou alors si certains veulent venir débattre d'un sujet, bah c'est le moment. Et ça se passe du coup en vocal, hein. Donc il va falloir. Salut mon Oun, il va falloir jouer et parler en même temps. Donc, il faut rejoindre le Discord. Je vous remets le lien. Je vous remets le lien. Donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Voilà. Faut rejoindre le Discord. Et ceux qui sont chauds. Ils se mettent en vocal en attente. Voilà. Débat de Pouya l'Iconique. Pourquoi mon nono? T'aimes pas Pouya l'Iconique? Tu l'aimes pas Pouya l'Iconique? Yo mon manjal, ça vaut quoi les gars? Donc voilà un peu ce à quoi j'ai pensé. Salut mon Hassan. Et c'est vous qui allez choisir quelle équipe j'utilise. On peut faire avec des pépites. C'est vous qui allez choisir. Si c'est équipe. Merci mon jumper pour ton sub. Merci mon jumper mon ami. Bienvenue, deuxième mois anniversaire. Merci, parce qu'il y en a plein qui sont plus sub du coup. C'est tous les mois le sub. Salut mon Tony. Tu fais comment Lulu sub? Tu viens sur Discord. Et en fait, tiens, bah il y a le Niçois qui est là. Donc le Niçois, on va l'accueillir, les gars. Ok. Oh le train de hype, les amis! Oh merci mon Jama! Merci d'avoir étudié que ça n'avait pas marché hier. Ah merde, le sub goal, il est atteint. Ah, j'ai la haine. Ah, j'ai la haine! Non! J'en parlais plus exprès, je voulais vous endormir. Salut ma ninouche! Oh là 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 là. Bon, on va faire venir le Niçois. Voilà, on va faire venir le Niçois. Ah, le sub goal, merde! Non! Ah, je suis deg! Ah, le Niçois, faut qu'il se démute par contre. Ah, le train de live! Putain, ça fait longtemps qu'on l'avait eu! On l'avait pas eu! Wouah! Coucou Sandrine pour le deuxième. On va refaire un sub goal avec ma femme. Le Niçois, tu m'entends? Est-ce que tu m'en... Il y a eu quoi là? Bienvenue Mimo. Il y a eu quoi le Niçois? Il y a eu quoi Attends, attends, il y a un problème ou quoi? Je regarde les gars vite fait. Paramètres voix. Micro USB, ouais, c'est ça. Haut-parleur. Ouais. Ouais. Ah. Ah. Ok. Ok. Ah bah il est parti le Niçois. Bah, c'est quoi? Je l'avais pris. Tu m'entends pas? Merde. Le Niçois sort des WC. Ça va mon Jama? Ah j'ai la. Attends, je suis content mais en même temps j'ai un peu la haine tu vois. Attends, je vais remettre le Niçois. Ouais, tu m'entends? Tu m'entends pas? Attends, j'ai un problème, les gars. On va régler ça vite fait. Microphone. Est-ce que là, tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Non. Là, normalement, il doit m'entendre. Là, normalement, si tu m'entends pas, ça vient de chez toi. Ça vient de chez toi. Ah, mais je suis con, je suis pas connecté. Ah, je suis con. Ah, je suis con. Tu m'entends? Ouais, tu m'entends? Ah! J'étais pas. Putain, J'étais. quelle galère! Là, mais j'étais pas connecté. Oh là là! Oh putain, ça va? Ça va et toi? C'est quoi ton pseudo sur le live? Bah, c'est Anto! Ah, c'est toi Anto! 1-0-6! Ah! Ça va? Ça va et toi? Merci encore pour les 12 000 pièces! Hein. Je t'en prie, je t'en prie. Là, tu vas rendre jaloux les mecs là. Mais non! Tu vas rendre jaloux les mecs. Bon alors, on va faire du coup petit match amical. Ouais. Je vais créer une salle, je vais te donner le code, je vais te l'envoyer en privé Ouais, pas de soucis. pour pas que les mecs ils se connectent pour rien.
Voilà. Et du coup, toi, tu veux débattre sur quoi? Est-ce qu'il y a un truc qui te... Je sais pas ce que tu veux, le 5DEF, j'ai vu ta dernière vidéo où tu parlais de Odo, donc là je l'ai mis là si tu veux pour qu'on voit Ah! la différence entre ton manager et le mien si tu veux. Ah, ça m'intéresse, ça. Ça m'intéresse. Alors, attends, je mets le code. Il y a quatre lettres, hein, donc je pense que tu devrais y arriver. Ouais, ça va, t'inquiète. C'est qui le patron? C'est moi. Voilà. Ah, il a une voix de BG. C'est vrai, il a une voix de BG. C'est vrai qu'il a une voix de BG. Donc là, je t'attends. Et effectif, du coup, on prend ce qu'on veut. On est d'accord. Ouais, bien sûr. Ok. Parce que les mecs, ceux qui sont sur le live, vous aurez le droit de me dire, par exemple, équipe Pépite ou... Ah, on l'entend mal. Alors, attendez, je vais monter le son. Vas-y, parle, Anto. Ouais, vous m'entendez? Ah, là, ça doit être bon. Voilà. Donc, vous aurez le droit de me dire équipe Pépite, équipe je sais pas, et je sais pas ce que vous voulez, les gars. Alors, attends, moi, je vais changer juste mon gardien. On va redonner une chance à cette merguez. Le mot de passe, c'est bâton magique. C'est bon, t'as trouvé ou pas? Ouais, c'est bon. Ok. Le mot de passe, c'était Anto, les gars. J'ai pas fait compliqué. Je me suis dit, si je mets un truc trop galère, il va peut-être se perdre. Moi, alors, là, je... Ah, faudra que tu enlèves le son du live, par contre. C'est du coup, je m'entends en écho. Tu me dis quoi, c'est bon? Oh, merci, mon Ouais, c'est bon John! là. Oh, merci, mon John! Il a offert des cadeaux? Oh, il a offert des subs! Il a offert deux subs! Merci, mon John! Merci, mon frérot! Oh, le train de live! Salut, mon bateau! Le train de live qui est parti! Donc là, vous voyez, j'utilise une alternative. C'est-à-dire que j'ai mis un MR à gauche et j'ai mis Carlos un MR à droite et j'ai mis Carlos à gauche. Et en mettant, par contre, défensif sur Carlos. Hein, parce que sinon... J'ai pas mis là, j'ai vu ça. Grosse pression, t'as la pression, Anto? Non. Salut, mon JBEC. T'as combien de points, My Club, Anto? Anto? Ah, Mister Boody, t'es content? Attends, mais on peut voir, de toute façon. On peut voir combien il a de points. Non, pas du tout. Il a En My Club, 768. j'ai 770 avec Ok. 52% de win. On est à peu près pareil. On est à peu près Donc je suis un pareil, petit joueur. mais je vais te Je suis un broyer. noob, hein. Je vais te broyer quand Bah, c'est le but. même. Non, c'est pas le but. Il y a une file d'attente, non, n'hésitez pas. Bienvenue, CL. N'hésitez pas à venir sur le Discord, vous vous mettez en attente, ceux qui veulent participer. Lulu va se retrouver à quatre pattes tranquillement. Ah, les gars, faites des paris, hein, vous pensez qu'il va me battre en tout ou... Et donc, alors t'as testé la compo, c'est ça? T'as testé la Ouais, j'ai compo que j'ai fait testé. en vidéo. Et t'en penses quoi? Ouais, j'ai testé la compo. Alors moi, je l'ai pas trouvé l'écho, mais j'ai Ripa avec les trois défenseurs. D'accord. Ouais, regarde, je vais te la montrer dans le plan de jeu. Attends, elle est où? Hop. Là, celle-là, elle est pas mal aussi. Donc c'est trois défenseurs, un MDF, deux MR et un MLG, un MLD avec deux AC. D'accord. Ok. Tu feras gaffe, t'as 84 en esprit d'équipe. Ouais, Ouah, t'inquiète. remé... Ah ouais, il a remé Nigue 101. Ah ouais. Ah merde, j'ai pas remis Cristiano. Ah, c'est pas grave, tranquille. Ouais, il a une belle... Attends, on va regarder son équipe quand même. Il va te mettre un L1 triangle à l'engagement. Bah, j'espère. J'espère. Non, pas du tout. Campbell. Ok, Alexandre. Ouais, il a une belle équipe. Hein. T'as paqué beaucoup en tout ou pas? Bah, les 12 000 pièces, hein. Ça, c'est... Ah ouais, d'accord. Ah bah oui, forcément. T'as paqué les 12 000 pour avoir remis Nigue? Non, 7 500. J'ai eu Remini-Gueux une fois, trois fois Matthaus et trois fois Beckenbauer. Ah ouais, t'as pas blagué. T'as pas blagué. Ok, ça roule. Et c'est pas le bon Discord, je crois, Jama, que t'as mis. C'est celui que je viens de mettre là. L'autre, c'est le Discord du RP. Et là, du coup, moi, du coup, cette tactique que j'utilise, c'est un peu une alternative à ceux qui ont vu la vidéo. C'est-à-dire que vous pouvez très bien mettre un MR de chaque côté, mais par contre, en gardant cette logique de joueur quand même assez défensif. Et c'est vrai qu'il y en a sur la vidéo, ils m'ont dit, salut mon Batoum, il y en a, ils m'ont dit, ouais, c'est vachement défensif. Bah oui, mais vu que c'est très dur à défendre, bah je pense qu'il n'y a pas trop le choix cette année. Hein. Je sais pas ce que tu en penses, Anto. Ouais, exact. Franchement, la défense est très très dure par rapport au 2020. Bah déjà, l'année dernière, on pouvait mettre les 4 DC, Ouais. que là, on peut pas.
Donc c'est vrai qu'en termes de défense, c'est beaucoup plus compliqué, quoi. D'ailleurs, vous avez vu que... Ah, on aura Roger après, notre euro. Vous avez vu que Ali Football Pro, ils jouaient tous en trois défenseurs. Ils jouaient tous à trois défenseurs, les gars. Je vais percer, c'est écrit. Mais non! Ils jouaient tous en 3... Alors eux, ils jouaient en 3-4-3. Parce qu'ils mettaient 3 souvent, ils mettaient 3 assez devant. Allez, on va faire un beau match. On va essayer de faire un beau match. Attends, j'ai juste oublié les instructions avancées, Vas-y, attends. vas-y, vas-y. Pogba, bah moi Pogba, je le mettrais pas, Batum. Tu vois? Parce que Pogba, il manque d'endurance et il manque de défense. Par exemple, regarde De Jong. Au niveau défensif, récupération de balles, il est quand même à 80, tu vois, 78-80. Je pense qu'il faut viser à peu près les 80. T'as qui? T'as Mataus, c'est pas mal. Mataus, c'est bien. Maldini, c'est très bien. Voilà. Ah, vous voulez qu'il me fasse craquer? Ah, c'est parti, les gars. C'est parti, c'est parti. On va tenter de faire du beau jeu, bien sûr. On t'entend plus, Anto, là? On t'entend plus, là? Tu Ah, parles plus? Tu parles plus, là? ouais, je joue. J'ai du Ah, t'as mal vu? Ah, à parler en jouant, en c'est fait. dur, hein? Ouais, c'est pas évident, Alors, imagine quand tu lis le chat, en plus. hein. Ouais, franchement, respect à vous, Salut, hein. Sigem. Ah, j'ai essayé de te mettre un petit truc de traquenard. Merci, Black Manu. J'ai essayé de te mettre un petit traquenard sur le coup franc. Ouais, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Ah, les coups francs, c'est... Ah, et les gars, j'ai changé mon assistant. Je suis passé en assistance 2. Je vais tester. J'ai envie de tester, les gars. Il y en a beaucoup qui m'ont dit que c'était mieux que le 1. Je sais pas, on va voir. T'es en quoi, toi, Anto? Je suis en 3. Ok. Ok, il m'a bien contourné. Attention, là, il peut frapper. Ouh! Bien joué! J'ai préféré la mettre. Je préférais la mettre de l'autre côté, ouais. J'ai cru qu'il allait avoir but là. Salut Molik, ça vaut quoi? Ah, j'ai cru qu'il allait faire la petite technique. J'ai voulu, mais il n'a pas marché, la feinte de frappe. Vas-y, c'est qui lui là? Bannez-le-moi là, si c'est El Glog là, s'il vous plaît. Les modos. Vous me le bannissez plutôt. Ah, Lionel. Ouais, voilà, mais il m'a fait quoi là? Eh, j'ai refait 5 victoires d'affilée, les gars, cet après-midi, ça faisait longtemps. Ah. Okay, on tente plein axe. Elle était belle, Il elle était s'est belle. envolé, il s'est envolé. Tout dans l'axe, Lulu. Ah, il faut cette année. Il faut, il n'y a pas trop le choix. Cette année, il n'y a pas trop le choix, les gars. Salut, pas tout, ça va ou quoi? Oh! Oh! Dommage. Je me suis dit, il va anticiper le 1-2. Je vais... Oh! Putain, il se foire. Attention, si avec Ronaldo, ça peut aller vite. Ah, bien. Dommage. T'as pas beaucoup de joueurs qui peuvent récupérer les ballons comme ça, là. Oh! Wouah! Salut, Greg! Ah, j'ai une chatte, là. J'ai eu une Ouais, chatte. de ouf. Si Anto perd, il paye 12 000 points à quelqu'un dans le chat. Les bâtards. Ouais, vas-y, y a pas de souci. Ok, les gars, donc tout repose sur moi.
Ça, c'est fort, ça. Ah ouais, Campbell, c'est tellement fort. Comment je regrette de ne pas l'avoir eu. Parce qu'avec du recul, je me demande si Campbell, c'est pas meilleur que Puyol encore. Toi, t'as pas Puyol? Si, si. T'as les deux? Et alors, t'en penses quoi? Ouais. Bah franchement, quand tu mets Puyol, Campbell et Koulibaly, franchement, il n'y a personne qui passe. Ah, j'avoue. Ah ouais, Puyol, ouais. Là, t'as Koulibaly. T'as Koulibaly. Bah non, il n'a pas eu de boost de toute façon. Non. Koulibaly, il aurait eu un boost. Oh là là là, ça aurait été exceptionnel. Allez, contre du cul. Ah, oh. Ils se replient bien tes défenseurs. T'as ouais. Combien de... Il est à combien ton bloc de... Mon quoi? Ton bloc, il a combien de barres? À 10. 10 et l'autre? Et le... Tu sais, t'es à combien? 10-10? Non. Attends, je regarderai après. 10 et je sais plus. Yes. Ah ouais. Attends, je te dis ça là quoi. Allez l'abonné. Ah, vous êtes pour lui ou pour moi là? Si, il a eu un boost snap. Sérieux Tony? Putain, je me rappelle pas. Ah ouais, putain, mais il doit être incroyable. Ah oui. Le boost de Koulibaly monte à 95. Et là, je crois qu'il est à 93. Le mien, 94. Ah oui, c'est vrai. Eh oui, je me rappelle, je me rappelais plus qu'il avait eu un boost. Attends, je te dis. Je me rappelais plus. Ligne défensive 4 et bloc équipe 10. D'accord, donc en fait, tu joues super bas, super resserré. Ouais, exact. C'est bien aussi, hein, pour contrer, si ceux qui aiment bien contrer, c'est pas mal. Hein. C'est peut-être. En plus, si t'as des joueurs rapides, c'est vraiment. Oh putain, le compte fab. Attention, parce que là, c'est l'engagement, les gars. Ah, j'ai dit, je vais le prendre. Je suis pour Luthor parce que j'aime mon youtubeur. Ah, oh, mais c'est mignon! Ah! Mataus! T'as le droit de la prendre, hein, beau gosse? La balle qui touche le ballon. Ah, c'est clair. La balle qui touche le ballon. Oh, encore. Ok, petit geste. Oh, oh, à la main, à la bas, très bien. À la bas, c'est parfait en MLG. Les joueurs mobiles ou consoles. Non, C-Game, la méta est différente. C'est-à-dire que des trucs qui marchent sur console marcheront pas sur mobile. Clairement, sur mobile, je pense. Comment? Il n'y avait pas faute là? Mais non, qu'est faute? Depuis quand il y a des fautes sur PES? Sur mobile, je pense pas que les trois défenseurs se soient bien. Merde! Ok. Et là, quand sa défense est basse, c'est dur. Oh! Je la voyais dedans, ouais. Ouais. Ah, dommage. J'avais. Ouais, pareil. Alors, cette tactique, tu valides? Ouais, ouais, moi, je valide parfaitement. Hein. Franchement. Et vraiment, j'ai découvert le placement fixe sur le MO. Il y en a beaucoup qui m'en ont parlé en commentaire de la vidéo qui m'ont dit que ça leur avait changé beaucoup de choses aussi. Il y a beaucoup d'espace dans cette partie. Ouais, c'est vrai, Batum. Parce que lui, il a un bloc qui se replie très bas. Et moi, je joue haut. Donc forcément, ça crée des blocs. En fait, le but avec cette tactique, c'est de récupérer le ballon vite. Et haut, surtout. Ah! Tu vois, là, on met la pression.
Oh là là, il fait nimp ton gardien. Oh là là. Ton gardien, il a craqué. Bienvenue les totos. Avec Mataus, moi je tente les gars. Bah il a une grosse puissance de frappe. Hein. Ah Mataus, il fait mal. Hein. Tiens, le but c'est là. Je dois... Voilà. Ah merde, putain, j'allais dire, je dois te la récupérer haute. Parce que derrière, forcément... Oh, il est impressionnant. Impressionnant quand même, Rummenigge. Ouais, bien joué le goal, Manu. C'est Mataus, ouais, c'est Mataus iconique, il est énorme. Ouh là là là. Bienvenue Trinita. Ah, c'est dur là. Salut, t'as droppé Romy? Non, je l'ai pas eu Romy. J'ai pas eu Romy. Avec le deuxième tireur. Quand tu joues en offensif, ça change quoi dans les placements des joueurs? Ils jouent plus haut. Ils jouent plus haut. Du coup, ils se replacent. Ils font plus d'appels également. Attention à l'engagement, les gars. Donc là, les gars, si vous jouez votre vie sur un truc comme ça, là, faut faire faute. Faut faire faute au milieu du terrain pour contrer le script. Ah, dommage. Bien serré, on sent que c'est pas un match. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est un beau match. Hein. Après, j'ai de la réussite en attaque. Mais après, tu sais, moi, là où j'aime pas les défenses basses comme toi, c'est que t'as vu cette année, tu peux marquer beaucoup de buts en dehors de la surface. Ouais, ouais, les frappes de loin ouais. Et tout. Ouais. Tu vois, un petit décalage sur le bon pied et hop. Les coups francs, c'est limite des pénaux maintenant. Ouais, c'est vrai. Les coups francs, c'est des pénaux. Faut que tu choisis un côté avec ton goal manu et puis tu... Si t'es du bon côté, tu l'arrêtes. Sinon, bah... Oh ! Pourquoi t'as des meilleurs graphismes que moi sur PC? J'ai PS5, mais on m'a dit que c'était pareil. Les buts sur corner, faut mettre des combis, ouais. Faut mettre des combis. Bien joué, Anto. Les corners... C'est possible, mais il faut mettre des combis. Ah, mes joueurs, ils commencent à faire nimp. Bien joué le contrôle. Oh, il te la rend deux fois, Piqué. Oh. Et t'as vu tout à l'heure, j'étais devant ta surface, t'arrivais pas à sortir, et là, c'est le contraire. Ouais. C'est... Ah là, c'est un peu de... Le script tout né, hein. Bah, puis t'as mis la pluie aussi, hein. C'est pas évident, hein. Putain, mais ça m'énerve. Faut que je l'enlève, parce que c'est pas volontaire. C'est vraiment pas volontaire, la pluie. Parce que moi aussi, ça me casse les pieds. Et encore, là, ça va. Elle est pas... Le pire, c'est quand t'as la pluie. Oh, ton Messi me fait tellement mal. But. Magnifique, magnifique l'action. Le script cette année, c'est une mi-temps chacun. Ça dépend des matchs. Bien joué, ouais, bien joué. C'est souvent ça quand même. Mais hein. C'est souvent ça. Allez, 90% des matchs, c'est ça quand même. Ouais, mais regarde, première mi-temps, il se passait rien. Bon, j'ai pas eu l'impression qu'il y en avait un qui était avantagé. Et regarde là, comme ça a tourné après mon but. T'as vu? Après le 2-0. Après, les gars, ce que je dis, hein, le script, c'est pour tout le monde. Donc, c'est pas une excuse... Tu vois, là, je vais pas dire, ah, t'as mis deux buts à cause du script. Parce que moi aussi, mes buts à ce compte-là, c'était du script aussi. Hein. Ouais. Bienvenue, Will Rune. Oh, je l'avais vu passer, celle-là. Elle m'a fait mal au cœur. Ah, ça rend fou.
Ah ouais, Il est beau celui-là. Ouais, je l'ai vu. Le petit geste, il fait la différence. Quand j'ai vu que tu passais à travers, je me suis dit, ça y est, c'est mort. Magnifique. Allez, on va faire les petits changements, les gars. Ouais, t'as vu Pixie? Ah, hier, c'était un truc de fou. Hein. Je sais pas si t'étais là, Anto. Hier, non. Et écoute, j'ai fait un match contre un mec qui avait des joueurs à 80, qui avait 78 de cohésion, d'accord? Ouais. Et moi, t'as vu mon équipe, donc tu te dis, je vais l'éclater. Bah, j'ai perdu. J'ai pas touché le ballon de la mi-temps. Enfin, de la première non, mi-temps, mais, j'ai pas touché le ballon. Franchement, il y a des matchs, c'est des trucs de ouf. Hein. Moi, je suis tombé contre un 300 points qui avait 20% de win. Hein. Ouais. J'ai perdu 1-0. Bah, et oui, le mec a mis la pluie, et en fait, mes joueurs, t'aurais cru que des boules blanches. Ah, genre, mais c'est horrible. Ils arrivaient même pas à faire une passe. Mais ça, c'est le rééquilibrage. Pour une fois qu'il réussit ouais, un geste c'est technique, enfoiré, c'est. En plus, je l'ai pas. Les batailles disent que c'est de la chatte. Vous êtes vraiment des escroqueries. Des escroqueries sans nom. Alors attention, parce que là, on connaît. On connaît. Salut Camille. Non, mais de toute façon, le script, les gars, faut être clair. Hein. Le script, il sera jamais enlevé. Ça, c'est un truc marketing de génie. Hein. Quand ils pensent. Parce que nous, ça nous rend fous. Parce que forcément, on est des joueurs. Mais du côté marketing, c'est un truc de génie. C'est-à-dire que le gamin qui vient de commencer à jouer, il peut taper un joueur fort. Et du coup, se dire, ah, regarde, je suis trop fort, papa, j'ai battu lui à 800 alors que moi, j'ai 300, tu vois. Et du coup, bah, le gamin, ça va lui donner envie de jouer encore plus. Bien, ouais. Udraskin. La passe Manu qui fait la diff. Après, cette compo-là, elle est très forte, quand, surtout quand tu mènes. Quand le mec, il passe en offensif parce que du coup... Pas se jeter. Oh là là. Allez. Mais par contre, putain, faut que je l'enlève cette pluie là. Ah, faute. Faute, faute, faute. Ouais, mais Pixie, c'est pour ça que moi je vous déconseille de vous mettre tous vos meilleurs joueurs. Hein. Salut mon Théo. Par exemple, de mettre tous vos iconiques, moi je vous déconseille. Au-dessus de 4000, 4005, là tu vas te prendre des rééquilibrages. Sûr. Coquinou va. Bien joué, Manto. Ouais. Merci à toi. Merci de ton soutien. Et puis, bah, bonne soirée. Hein. Ouais, merci toi aussi. Ça va. À tout à l'heure. Ciao. Merci. Luthor 1, abonné 0, les gars. Voilà comment ça se passe. Non, bien joué, Manto. Là, c'était un beau match. C'était un beau match. Sauf que PS c'est pour les trentenaires. Ouais mais c'est le problème, c'est que je suis d'accord avec toi. Mais à la base la cible les gars, je vous le répète hein, fais pas trop le malin. La cible des jeux vidéo c'est quand même les c'est pas nous hein, c'est pas nous, c'est les enfants hein. Tiens, on va prendre mon Roger. Yo mon Roger. Salut. Ça va le Roro? Ça va merci. T'es chaud? Attends deux secondes, attends. Hop. Voilà. Je vais t'envoyer le code en privé, en message. Ah là, je suis pas allé. Voilà, t'as reçu le code normalement. Hop. Attends, je t'envoie faro. Attends, rien. Point avec mon son, dirait. Attends deux secondes. Vas-y. C'est bon. Tu m'entends? Ouais, nickel. Ouais. J'ai mis un code nickel. Et je te l'ai envoyé par message privé, tu l'as eu? Alors, message. Dis pas ce que c'est. D'accord. Ok, c'est bon? Ce qui est ouais, patron. Hop, salut Aurel, tu veux quoi comme équipe? Équipe, t'as un thème un... Ouais, j'ai pas de thème, j'ai qu'une équipe cheatée. Quoi, équipe cheatée, ouais, bah, équipe cheatée, c'est très bien. Est-ce que t'as un truc, tu voudrais parler d'un truc particulier? Luthor est un connard, je voulais le dire en live. Non, Luthor est un bon déjà. T'as pas de débat déjà. À parler à un truc bah, spécial just... Bah déjà sur certains trucs sur le jeu, sur l'arbitrage déjà, par moment, qui est hasardeux, ah, que je déteste. L'arbitrage, il est, ah, il non. est compliqué. Hein. L'arbitrage, il est très ah, compliqué. Ah, ah non, mais pour... moi, une fois, je vais... Ils sont tous pour vas-y, toi. Vas-y. Hein. Ils sont tous pour toi dans le chat. Hein.
Merci, bah que le meilleur gagne, hein. T'as Mais combien bon, je suis à sur Lensois, t'as je vais. combien sur t'as combien sur My Club en Comment note? ça? En En note? note, je suis pas un des 800. Bah, Ok. je gagne beaucoup depuis 2-3 matchs, là je gagne beaucoup, donc j'ai un peu de réussite, j'avoue. Ah, il n'y a pas de. Voilà. En fait, l'arbitrage pour moi, tu vois, c'est comme le script. C'est-à-dire que c'est pour tout le monde pareil. Donc après, c'est vrai qu'il y a des D'accord. mecs qui en abusent, ceux qui taquent dans tous les sens. Mais voilà. Comment on fait pour jouer contre moi? Eh bah, tu viens sur le Discord. Voilà. Et tu te mets en attente pour parler. C'est dans quel style de serveur là? Je te vois pas. Dans quel serveur tu envoies les FR, FR? FR, ouais. FR, et j'ai mis sale Luthor. Débat sur le D'accord. micro-pénis. Bah, il est peut-être pas concerné, Roger, les gars, calmez-vous. Pourquoi micro-pénis? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Et là, il dit, le Roger, il est enrhumé. Il a dit Luthor est un con et ça s'est transformé en Luthor est un bon. Qu'il est con. Mais qui dit que Luthor n'est pas bon? Franchement, Luthor, c'est un Ah, bon. Celui qui écoute. dit qu'il est pas bon, je lui trouve, je lui fous mon poing dans sa Il y gueule. en a Hein. qui m'aiment pas, hein, c'est comme ça, c'est pas, c'est comme partout pareil. Ah non, moi, je vais dire franchement avec Sébastien, franchement, quand t'étais plus là, on était dégoûtés. Sébastien, c'est Mais ton j'en suis pote, hein. beaucoup, beaucoup. Ah ouais, Sébastien, c'est un mec que je connais depuis mes 10 ans. Maintenant, j'ai 23 ans, il en a 37. Donc, D'accord. Ah, le t'as temps, il 23 passe. ans, toi, Roger? T'es un Ah ouais, jeune, j'ai hein. 23 T'es ans. un jeune sur PS, il n'y en a pas Ah ouais. beaucoup. Hein. Tu feras ça tous les Ah, dimanches, j'ai ça lancé ça. sonne. Ça peut être pas mal, hein. Ouais, ça peut être pas mal. Ouais, c'est pas mal comme conseil. Quand j'ai vu ça, je suis pas mal. Ça... Et tu vois, ce que j'aime avec toi, c'est que tu t'es proche de tes abonnés, pas beaucoup de youtubeurs qui sont à l'écart. Toi, t'es beaucoup de proche de tes abonnés, ça, ce que j'aime chez toi, c'est Bah que t'es moi, tu proche sais, tant de que tes je touche abonnés. de l'argent, je suis proche. Hein. Non, Ah bah ça, faut pas se le cacher. Bah faut pas se le cacher, oh, faut pas se le cacher. Non, je rigole. Non, bah oui, moi, il n'y a pas d'intérêt à avoir à faire des lives, c'est pour pas parler aux gens. C'est clair. Et puis en plus, je vais vous dire la vérité, les gars. Tu vois, t'avais pas de débat, Roger, finalement, t'amènes un débat. Comme tu dis, quand j'ai arrêté et tout. Mais quand je suis revenu, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de haters qui sont pas revenus, eux. Tu vois ce que je veux dire? La coupure, elle a fait du bien. J'ai beaucoup de haters qui sont pas revenus. Il y en a beaucoup que j'ai ban aussi, des fois rapidement, sans me prendre trop la tête. Et finalement, ça m'a fait beaucoup de bien. Roger, vive le 62. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Ouais. Et du coup, tu vois, je le vis beaucoup mieux parce que avant, vraiment, je le prenais mal, les critiques. Vraiment, je le prenais vraiment mal. Parce que c'est pas facile, les gars. Dites-vous, tu sors une vidéo, t'as 100 commentaires. Et bah, si sur les 100 commentaires, je l'ai déjà dit ça, t'as 5 commentaires négatifs, et bah, je te jure que tu reçois. Tu sais, tu vas te focaliser que sur les commentaires négatifs. Et puis, on n'est pas. Ouais, c'est ça. On n'est pas, comment dire, on n'est pas formé à se prendre des trucs dans la gueule alors que t'as rien demandé. Toi, à la base, tu fais une vidéo sur un jeu vidéo, puis t'en as qui t'attaquent. Tu comprends pas d'où ça vient. Tu dis, mais pourquoi on me dit Et ça? Pourquoi on me parle de il y a ça? ceux surtout, et surtout, il y a ceux qui te mettent des dislikes, qui n'ont pas vu la vidéo. Moi, les mecs là, je dis, mais c'était qui toi? C'était quel genre de race d'humain? Ah ben ça, il y T'es en a. qui? Mais tu sais que j'en ai plus beaucoup. Hein. Là, en ce moment, je dois être à 2 dislikes. Donc 2 dislikes. Ouais, non, mais John, je suis d'accord que c'est constructif le négatif comme le positif. Ça, je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, il y a eu des. Merci pour. Merci que le fait que vous m'aimez. Merci, les amis. D'ailleurs, j'ai fait un post où c'est parti en débat. C'était super intéressant. Il y avait des mecs qui n'étaient pas d'accord avec moi. Et j'adore débattre. Mais t'as des mecs, c'est pas débattre. Quand, par exemple, on te dit, ouais, t'es un vendu. T'es. Je sais pas, mais je vous dis, j'ai eu des messages horribles. T'es une merde. J'ai eu des insultes. Des trucs vraiment très très méchants. Mais et des haters, ça c'est voilà, ça c'est pas constructif du tout. Tu vois, quand un mec il te dit t'es un connard, t'es un vendu, t'as retourné ta veste, en quoi c'est constructif? Bah non, c'est pas pour moi, c'est pas constructif, tu vois. Un club de cœur, Roger. Ah bah Roger, c'est facile ton club de cœur. Ah bah oui, en plus ils ont joué hier, un indice. Ils ont joué hier et ils ont gagné. Non, attends, ils ont fait quoi? Ah oui, Perdu, 3-2, non? perdu. C'est ça? Ouais, 3-2, comme on peut dire, ouais. T'as contre Montpellier. Mais ils font un bon début de saison, hein, les Lensois. Hein. Ils font un. Bah je suis surpris, moi. Moi, Merde. bah, pour monter les gars, je suis content, mais quand je vois ce qu'on fait, je suis, mais. Arrête un peu, on est en Ligue 1 en montée, j'ai envie de voir les Lens depuis 10 ans en Ligue 1. Bah Franchement, ouais. hier, on ne mérite pas de perdre. Hein. Je regarde le match, je Ah, dis, j'ai mais c'est pas pas vu. possible. Il manque juste un vrai tueur, au moins, parce que des fois, il y a des mecs Ouais. qui veulent pas tirer devant le but. Je dis, mais arrête un peu. Ouais, mais pour des promus, Mais. c'est quand même super. Ouais, mais CC, tu vois, CC, il dit, ouais, les mecs qui disaient que t'avais retourné ta veste quand t'étais passé à FIFA, machin. Bah oui, tu vois, c'est. Moi, ça, moi, j'avais pas compris, tu vois, j'avais pas trouvé ça légitime comme critique.
Parce que déjà, je me suis jamais marié avec PES non plus. Hein. Ouais. Tu vois, en même temps, je te mets un petit but comme ça passe crème. Ouais, mais c'est comme à Lens. À Lens, on prend un but et d'ailleurs, on joue bien. On Ah! attaque. Donc toi, ça c'est Ça, c'est ton. Lens, ça. Ça c'est ton. C'est ton but, c'est ton truc, quoi. Là, c'est ta tactique. Tu t'es dit, j'ai. C'est le bonbon dans la camionnette, là. C'est le petit bonbon, là, dans la camionnette. Eh, ça me rappelle avec mon. Eh, tu vois, ça me rappelle un souvenir avec mes cousins. On jouait à ISS sur Nintendo 64. Bon, toi, t'as pas connu parce que t'es trop jeune. Et bah, Ouais. dis-toi que c'est. Je me rappelle maintenant qu'il y avait déjà du script parce que quand tu marquais un but, et bah, t'étais grave favorisé. Mais putain, je me rappelle maintenant, finalement, le script, il existe depuis des années, les gars. Oh, Pouyol. Oh punaise, t'es net là, un mur Pouyol, total. ouais, il t'a arrêté là, il t'a mis un stop. Ah, bien joué. J'ai voulu faire la passe. Si Roger chante. Ah, si Roger perd, il doit chanter les corons. Ah. Oh mince. Intéressant. Ah, bien joué. Ah, tu joues en quoi? J'ai même pas regardé Oh. ton dispositif. 4-3-3, 4-3-3. 4-3-3. 4-3-3, il joue beaucoup en possession, j'aime pas jouer trop. Bah, ça m'arrive de jouer rapide, ça dépend des fois. Des fois je veux jouer plus vite ou alors je joue. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, sur Messi, je crois. T'as la fibre? Ouais, mais une fibre de merde. Hein. Ah bah c'est quand C'est même la une fibre. fibre du. Mais Elle est pourrite. tu sais que c'est fort déjà de jouer en 4-3-3 et d'avoir 800. Parce que c'est pas Bah, du. c'est. Parce que moi, en fait, mon style de jeu, je t'explique, mon style de jeu, moi j'aime pas jouer dans l'axe. Je joue beaucoup sur le côté, tu vois, mes stats, j'ai genre 49 dans l'axe et genre sur les côtés, j'ai Ah, 30 et d'accord. 29. Eh bah. Je suis client. Non mais c'est bien, tu vois, il en faut pour tous les goûts. Il y en a. Ah oui, puis. Ah putain, tu sais. Je sais pas si tu l'as vu la vidéo où je présente le 3-2-3-2 là. Ouais. Il y en a. Ouais, bah je l'ai vu, j'ai dit, ah. Il y en a, tu sais ce qu'il a dit? Il m'a fumé de rire le mec. Il a dit ouais, c'est pas le meilleur le mec. Le mec sur qui j'ai pris la compo. J'ai dit, mais t'es con ou quoi? C'est le premier mondial, comment c'est pas le meilleur? Le mec, il est premier mondial, mais c'est pour lui, c'est pas le meilleur. Bah, c'est qui le meilleur? Alors, c'est son cousin, c'est. Oh Oh là là vache. Allez, t'as dit as. Et le gars, il me dit. Et Elle a après, il y remonté. en a. Et il y en a, tu sais, bah tiens, on peut lancer le débat. Parce que justement, toi, tu joues en 4-3-3, donc c'est intéressant. Il y en a, ils disent, ouais, mais tu Oh vois, moi. tu fais la pub de. Enfin, en fait, il reproche que beaucoup de monde joue dans le même dispositif dans l'axe, quoi. Bienvenue, Mousse. Ouais. C'est vrai ils ont raison d'un sens. Justement, c'est très dur de défendre. Moi, j'arrive pas à les mecs jouer dans l'axe, j'ai du mal à défendre. Franchement, Les même mecs, ils chose jouent. comme ils jouent dans l'axe Bah, c'est sur le sol, normal. je C'est. galère. Pourquoi tout le monde joue comme ça? Parce que justement, c'est dur à défendre. Oh là, je te fais des vieux à Ouais, c'est l'intro, les bête, gars. mais c'est bête quand même parce que ça bah, j'aime bien. Franchement, j'ai les beaux, mais c'est ça le problème, c'est que les gens ils font toujours la même chose. Bah, du coup, c'est pas du foot pour moi. C'est vrai. C'est ça que moi j'aime bien varier mon jeu, j'aime bien passer les côtés, faire des 1-2, faire des passes en retrait s'il faut, si j'ai pas rempli l'espace ou. Franchement, j'aime Mais bien moi, construire le jeu. tu vois, Franchement, j'essaie de passer quand même sur les côtés, mais tu remarques qu'à chaque fois, les actions, elles se finissent dans l'axe. Il passe. Ah bah c'est ça. Après, c'est l'habitude aussi, hein. Moi, je dis, j'ai toujours joué dans l'axe, hein. Sur les côtés. Oh, je l'ai cru dedans. Oh Cruyffy, oh Cruyffy. Tu penses quoi des youtubeurs qui critiquent les gens qui jouent avec des boosts? Chacun pense ce qu'il veut. Après, chacun joue comme il veut. Hein. Enfin, voilà, moi je comprends pas qu'on critique. Et en fait, alors j'attaque personne. Hein. Mais pour moi, je comprends pas le. Comme si c'était à cause des boosts que le jeu était scripté et avait un arbitrage pourri. Je suis pas d'accord. Et comme Bah ce. non, après c'est question de savoir. Après ces joueurs, faut bien les utiliser aussi, hein. Si c'est pas utilisé, Et bah. puis, il y en a, tu sais, ils disent, ouais, le jeu, il est plus propre en 3-4 étoiles. Moi, je trouve pas du tout. Moi, franchement, je trouve qu'il y a autant de dingueries en 3 étoiles qu'en 5 étoiles. Ils sont forts les mecs en 3 étoiles souvent. C'est un truc de fou. J'ai pas. Moi je vais dire un truc, c'est pas des bêtises. Tu Ah, vois, je suis un lanceur, attention, du il coup prend ce que j'ai fait une position. fois. Vas-y, Je veux Roro. dire un truc, je suis un lanceur, du coup je prenais. Une fois j'avais pris. Je sais plus quand, j'avais pris Ganago, le buteur de lance en fait. Ouais. Le mec, normalement, c'est un buteur argent. Je dis, bah forcément, on va dire que je galère des fois avec des joueurs boostés. Là, je vais être plus galère avec un joueur argent. Bah, t'es fou, je marquais des buts, je m'arrête un peu. C'est un joueur argent, je vais pas marquer autant de buts que ça. J'ai une facilité de marquer avec des mecs qui sont argent que quand on se chante un ballon noir.
J'arrête un peu. Ah ouais, C'est pas réel des mais. fois. Ah, mais ça, c'est le rééquilibrage. Non, Oh. le problème des boosts, c'est que tu peux te faire plier par des noobs, Tony. Je suis pas sûr, hein. Franchement, hein, pour moi, y a un mec qui est noob, tu joues en 3 étoiles, Ouais, c'est ça. il peut C'est te ah, ça plier peut pareil, très hein. bien te fumer, hein. Il peut Ah, te il peut fumer te fumer, c'est pareil. sûr. Parce que pour moi, il y a un rééquilibrage. Après, tu sais, moi, je sais pas, ça me fait. Enfin, pour ça, je rentre pas dans ce débat. Je suis pas rentré dans le débat depuis le début de l'année. Je rentrerai pas. Ça m'intéresse pas. Pour moi, chacun fait ce qu'il veut. Chacun joue comme il veut. Je trouve que ça sert à rien de séparer les communautés alors qu'on est déjà 12 à jouer au jeu. Donc, non, après, dire faut jouer comme ci, faut jouer comme ça. Non, je suis pas d'accord. L'important c'est de kiffer, tu vois, c'est de kiffer ce que tu fais, avec qui tu joues, tu vois. Il y en a, ils préfèrent jouer avec des boules argent qui montent et tout au long de l'année. Moi, je trouve que c'est super kiffant aussi, hein. Ils doivent prendre un kiff de ouf de, tu sais, de voir évoluer leurs joueurs. Ça doit être kiffant aussi. Après, moi aussi, les gars, ce que certains oublient, c'est que quand t'es youtubeur, t'es pas un simple joueur. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, là, je jouerais pas avec des mecs que je connais pas si j'étais un simple joueur. Je veux dire que je pense que pour des joueurs, jouer pour des mecs, regarder, c'est peut-être plus agréable de regarder un Ronaldinho que de regarder un mec qu'on connaît pas. Je sais pas, moi je me mets à la place des mecs aussi, tu vois. Donc c'est ça un peu ce que. Ouais, chacun prend plaisir comme il veut. T'es un représentant, John. Mais tu sais, moi, pour moi, je vais te dire la vérité. T'es toujours là, mon Roger, ou? Oh, Roger, on l'entend plus. Pour moi, je suis représentant de vous. C'est-à-dire de ma commu. Je suis pas représentant de PES, moi, les gars. Je suis pas représentant de PES. Faut pas croire que ce que je fais, Konami va en avoir quelque chose à faire. On est beaucoup de youtubeurs. On est encore. Tu m'entends plus? Ah, c'est bizarre. T'as dû toucher à ton casque, non? On est beaucoup de youtubeurs. On est encore beaucoup plus de joueurs. Ils peuvent pas écouter tout le monde. Ah, t'as vu anti-stress? Ah bah écoute, ça me fait plaisir. Ah, oh bah ça, bah Ah, merde, ça ça a y est. bugué. Ça y est, ça y est. Je t'entends. Bah, je t'entends. Bah, c'est bon, je t'entends. Bah, non, pourtant, j'avais un toucher. Ah, c'est bizarre. Mais des fois, Discord, ça bug. Ça, pendant que je suis pas sur Discord, en plus, ça fait au moins depuis que j'ai monté mon PC gamer. T'as un PC gamer, là? Je l'ai revendu. Ah ouais? D'ailleurs, les gars, on va bientôt. Normalement, après vous connaissez, enfin vous connaissez. Avec Hidekun, on n'est jamais sûr de rien. Normalement, on va vous faire des lives à tous les deux avec Hidekun. On a un concept. Dommage. On Ah a un oui. concept avec Hidekun qui, je pense, Ça qu'il doit peut être être de pas ouf mal. en fait. Parce que là, il découle, il vient d'avoir sa fibre enfin. Ah, j'accélère trop. Ah! Ouf. Ça va, Roger? Tu l'as senti celle-là ou pas? Putain, il a tu fais une passe de merde. Ça va, ça va. Tu vois, là, Non! c'est sa bonne place, là, je trouve. Oh là là, elle a pas s'éclaté. Oh C'est sa bonne place à Roberto Carlos. ils prennent ton Puyol, il prend bien mon. Bah, Puyol sur un Mes deux côté, c'est vrai attaquants. que Ah tu ouais. vois, hier les abos ils me l'ont conseillé. C'est vrai qu'il est meilleur sur un côté. Enfin, sur un côté d'une Ah, j'arrive défense à pas à 3. passer. Ah, du level, hein. Ah ouais, bah, je vois que t'étais pas 800 pour rien aussi, toi. J'ai pas un tir. Je Mais me c'est la trompe, compo, hein. mais. Je te jure, Roger, c'est la compo. Parce Ah ouais, que. bah, je te crois, hein, je dis pas le En contraire. fait, cette compo-là, c'est trop dur de. Sur les côtés. Sur les côtés, t'es en 1 contre 1 à chaque fois, et vu qu'il y a quand même avantage aux défenseurs, bah c'est dur. C'est clair, non, sur ça, bah, je vois très bien ça. Ouais. C'est presque impossible de lancer le contre, au moins d'un miracle. Mais bon, rien n'est impossible. Ouais, non, mais c'est exactement Mister Moody. Exactement. Chacun joue comme il veut, et c'est pas parce que moi je préfère jouer avec des boosts que je vais vous dire ah, jouer avec des boules argent c'est de la merde, faut pas le faire, ça tue le jeu et tout. Non. Oh, dommage. En plus, j'ai de la chatte. Oh Oh, non! j'ai de Oh la chatte. non! Oh, Moi j'ai pauvre. pensé à.
Je pense à Liverpool en 2003 là. Mon pauvre Allez, Roger. faute! Mais quoi, Eh faute, oh! Roger? Arrête un peu, commence pas! Non mais attends, mais une fois je t'assure, une fois en coop avec Seb, je t'assure, j'étais en coop et il y a un mec qui débouche sur son côté. Je suis avec Cafou, j'arrive, je le mets, je lui prends le ballon, je tacle super bien. Vas-y, bien l'arbitre, il siffle faute, il met carton rouge. Je dis mais quoi? Je suis quoi? J'ai des mecs qui me fauchent dedans, ils prennent même pas un jaune. Et moi je le tacle bien, je me suis pas rouge, je m'arrête un peu, C'est c'est ça, bon. c'est normal, c'est Enfin, normal. le script on dit pas bah là, il était total. Mais là, tu vois, là, je pense que j'ai un peu de script pour moi aussi. Parce que je réussis quand même beaucoup de ce que je fais. Ah, je l'ai fait trop tôt. Là, mes joueurs sont peut-être KO. Des fois, il y a des matchs, des fois, j'ai l'impression que mes joueurs sont KO vite. Ouais, c'est Franchement, ça. je cours pas beaucoup des fois. Et il y C'est a des ça. matchs, je t'assure, je dis, bah, t'as un peu, les gars. T'as un peu, c'est pas logique. Ils sont tout frais, c'est pas possible. En mi-temps, des fois, moi, j'ai des gens en mi-temps, c'était KO. Je dis, non, Ah, c'est ça. non, je suis pas d'accord. C'est des professionnels. C'est, je sais pas. C'est comme des fois quand je vois un Van Basten boost. Moi, j'ai Van Basten iconique, tu vois. Donc, je dis, putain, un putain de buteur et tout. Waouh, super. Le mec, à un moment donné, je pars en contre-attaque. Le gardien, il sort. Je dis, je vais la placer R2. Je vais pas me faire chier. Le gardien, il sort. Je vais la placer à côté. Je n'ai plus qu'à la dire. Héros, tu connais Van Basten au moins? Ah mais Van Tu connais Van Basten, moi Basten? je le trouve pas si ouf que ça. Mais c'est bah c'est ça qui est honteux. Je comprends pas. Pourtant, c'est Van Basten. C'est pas n'importe qui. Les mecs, ils ont 4 minutes de finition. Mais les mecs, pourquoi ils vont te louper la possible? Bah, j'arrête un C'est peu. ça. Oui. Encore, ils peuvent louper de temps en temps. Mais ils sont pressés. Mais quand. Van Basten, je Il n'y a trouve pas que de des raison fois il va d'être. être énorme. Ouais, Et des c'est fois ça. il va C'est être pile ou passe. très moyen. Ouais, du coup, Pixie, je réponds, excuse-moi. Oui, en fait, faut plutôt un 6 en 10. C'est-à-dire qu'il faut un mec qui a un gros volume de jeu. Mais après, Messi, il peut passer, hein. Parce que Messi, il a quand même beaucoup d'endurance, le Messi iconique. Ah, bien joué. Et du Allez. coup, oui, en fait, cette tactique, c'est le but, c'est de récupérer très haut. Alors moi, je le fais pas très bien. Oh, mais si tu défends bien. Salut, Kelik! Dommage. Bienvenue, mon Kelik! Encore, je suis calme là. Encore, je suis calme. Je suis très calme. Et puis, je pète un plomb. Bah, je pète un plomb, genre, ah, je gueule et tout. Là, je suis comme je suis en live. Il y a tout le monde qui m'entend. J'y vais quand Tu même. peux, écoute, Ici. fais-toi plaisir. Ok. Putain, mes mères, fais chier. Il va insulter les joueurs. Ouais, Oh bonne. ouais, bah, non, mais je suis un rageux de ouf. En fait, je suis rageux contre des mecs qui font des lettres. Dès qu'un mec me met des buts comme ça, le mec, je Ah, il y l'assuis a des. derrière. Moi J'envoie des aussi, messages, j'arrête un peu. quand je prends des buts sales, c'est sale. Ah, c'est, je Ça me peux fait pas, moi mal. je supporte pas. Ça me fait mal. Mais après, voilà. Ça fait mal. Ça... Excuse-moi, je fais des petits rototos là. J'ai mangé Faritas à midi, ça se digère mal. Allez, Bekou. Oh Voilà, le là, petit bah, pas je en vois. arrière. Oh, Stilal, oh, Stilal, oh, Stilal, oh, Stilal. Non, c'est bon. Aïe, aïe, Mais aïe, du aïe, contre, aïe. pourquoi pas? Oh! Oh, chier. Ah, rentre-lui Allez, dedans, bon. Blip. Fais-lui mal, fais-moi mal. Une, Ah, ça passe. deux. Attention, je te casse. Ah, j'aurais fait, tu vois, j'aurais avancé, j'aurais fait une passe Manu. Et à quoi là? Attends, mais pourquoi ils se sont. Pour l'honneur, mais pour l'honneur, Pourquoi il y a héros. deux joueurs qui se sont éclatés par terre? Je m'en fous, c'est une faute. T'as Pas vu de ou pas? pitié. Oh putain, il J'ai peut pas monter vu, une j'ai fois. échoué. Mais je m'en fous. Dans la surface. C'est ça, anti-stress. Banzai. Attention, ton gardien. Ah oui, Ah, Casillas. dommage. Non. C'est bien, t'aurais eu un tir, mon Roger. Des Bâtard. illusions. Des illusions. Non. Même si je viens pas, franchement, j'ai pas un plaisir parce que depuis le temps que je veux jouer avec toi ou contre toi, j'ai enfin mon rêve s'est réalisé. Oh. Je vais pouvoir dormir tranquille. Ah bah ça va, Après avoir mangé. t'avais un petit rêve. Comme dirait Thierry Roland, après avoir vu ça, on Oh pourra mourir tranquille. bah meurs pas tout de suite quand même. Le plus tard possible. Je vais Bon, casser le nez ben, moi. au moins 4-0. Au moins, j'aurai un souvenir dans ma tête, 4-0 contre Luton, mais Bah bon, écoute, c'est le stress, c'est le stress. C'est le ouais, c'est stress pour ça, et moi. je jure, c'est vrai, c'est vrai, j'ai les mains qui tremblent. Parce que c'est con, Ah. hein, mais c'est. Non, non, franchement, je vais te dire franchement. Attends 2 secondes, attends 2 secondes. Oh là, il est parti, Roger. La télé de mon père qui va à fond, j'aime pas ça. En fait, non, franchement, je vais te dire franchement. Parce que déjà, depuis que je te suis, depuis au moins PS 2019 déjà, Ah, que depuis moi le je te début. connaissais pas, je t'ai découvert. Ouais, du coup,
Je dis putain, mais tu fais marrer, moi tu montres à la scène, on te regarde, on pète des barres, des fois, je te jure, on met YouTube sur la télé. Je t'assure, je suis chez lui, des J'ai cru fois que t'allais dire mais you... j'ai on sûr que t'allais mange. dire YouPorn. J'ai cru que t'allais dire YouPorn. Dis merde, il a trouvé mes vidéos. Non, on met des vidéos sur YouTube, comme ça, sur la télé, on mange une fricadelle ou quoi, comme les juniors, une fricadelle. Et du coup, on te regarde, des fois, on pète des barres, on rigole avec tes réactions, tes ouvertures de pagaille avec Titi. Des fois, on rigole, des fois, on passe des heures à te regarder comme ça, on rigole. Et quand t'étais plus là, franchement, le moyen, on était dégoûté. On se faisait chier, j'ai dit, putain, mais J'espère vas-y. que, du coup, j'espère qu'il va te vanner vu que t'as pris 4-0. Il va me banner, non, mais surtout, ça salaud. Non, mais hier j'étais chez lui. Il voulait Matos. Et je t'assure, franchement, je vais dire franchement, j'ai mis au moins plus de 100 euros, hein, pour que, au moins presque 150, 150 euros, 150 euros pour là. Il a eu plus, au moins 5-6 fois, il y a au moins 5-6 fois, au moins 7 animations iconiques. Il chopait Rummenigge, Beckenbauer, Rummenigge, Beckenbauer. Ah, mais Et l'un des vous... derniers packs, animation. Ah ouais, je lui fais plus ça, mais non, mais tu demanderas son équipe, déjà sur le 2020, déjà, tu demanderas son équipe. La plupart de ces joueurs qu'il a eu, c'est des iconiques légendes, c'est grâce à moi. Hein. Parce qu'il peut pas, avec son enfant, sa femme, tu vois, il peut pas trop se permettre. Des fois, quand je m'appelle, je lui fais plaisir. Je vais attends, je vais te faire des paris, je sais qu'il a envie de jouer, du coup, je lui fais plaisir. Et moi aussi, je me fais plaisir. Moi, c'est mon équipe là parce que je travaille, sinon je l'aurais pas fait. Hein. Mais je prends un plaisir de ouf. Moi, j'aime bien. Hein. Là, je sais que quand j'ai vu Rummenigge, j'ai vu Rummenigge, il m'a fait. Non, non, c'était pas ça. Attends, après, je te laisse tranquille. Vas-y, vas-y. Allez, les Mais gars, attends. quand il y Celui avait. qui veut rejoindre, le code, c'est 111. S'il y en a un, le premier qui rejoint, il joue contre moi. Celui qui veut venir en vocal, c'est Le encore mieux. prochain. Le prochain. La fois que c'était Liverpool, je t'assure, il a fait une connerie, Seb. Il a fait une Ah, mais connerie, là, t'es au courant qu'il y mais a... Hey, immense. t'es au courant qu'il y a du lourd qui arrive. Là, tu vas mettre la CB, là. Parce que... Ouais, j'en ai encore des pièces, ça tombe bien. Là, mais pas trop, parce que le jeu, il est Et bientôt du fini. Hein. coup, et du coup, il a il y avait le pack Liverpool, il voulait Owen. Il dit, ouais, c'est ouf, ouais, c'est ouf, c'est ouf, Owen. Ça me encore. Il le pack. En fait, il au départ, il n'y arrivait pas, il n'y arrivait pas. Et il était Et ce coup, nul. il le pack, il fait. Il était. Non, il le pack, étant. Ouais, il était content, il tremblait, il voulait pleurer, je sais plus quoi. Dans l'excitation, il l'a mis en entraîneur. Et je fais, non, t'es sérieux? Le Il con. était dégoûté, il était blasé. Quelques packs après, il l'a re-eu. Je dis, mais t'es un con. Mais j'étais con, ça va, il y a eu lui et Nino et Xabi Alonso. Moi, j'ai eu. Mais quand j'ai vu Owen, je voulais l'avoir aussi. Dans tous les cas, quand même, Putain, lui, le je suis con. un jaloux. Moi, je suis un jaloux. Quand il a un joueur que j'ai pas, je veux seulement l'avoir, du coup, je fais tout pour l'avoir. J'ai la jalousie. Ah, ça marche pour Bon. Roger. Bon, bah écoute, mon Ouais. Roger, Bon, allez. au plaisir. Ouais, pas de soucis, bah, sur le live. Allez, Comme tu vas-y. dis. Roger, il te kiffe là Vas-y, un sur le Marquez. Ouais, live. Allez, pas de soucis. salut Bah, ma salut petite tout le monde. fricadelle. Merci. Merci. Alfred Trucadal. Ya. Ciao. Yeah. Ouais, les gars, le code c'est 111. Et il y en a, s'il y en a qui veulent venir en vocal, faut qu'ils viennent sur le Discord. Si vous voulez faire comme Roger, devenez une star comme Roger. Yo mon Fatal! Mais Fatal, il peut pas, lui. Il a une console bizarre. Je sais pas comment ça s'appelle. Une Xbox. Xbox. Il a une Xbox. Ah, il est gentil, Roger, les gars. Il est gentil. Tu fais une VS Sabo jusqu'à quelle heure, Lulu? Je sais pas, 20h30 peut-être, mon JBEC. Tranquille, on va voir. Jusqu'à ce qu'il y ait du monde qui veulent venir jouer contre moi. C'est qui? Il joue contre qui là? Christophe Houle. C'est toi mon pato? Tu veux pas venir en vocal mon pato? 5-0. Allez, c'est parti. Ah ouais. Ah ouais, Fatal, il est sur Xbox. Oh, ils sont 12 sur Xbox. Les gars, ils se connaissent tous. Et il lance un match. Ah, mais c'est. Attends, Ça va mon Pierrot? Ah, yo, je retombe encore contre toi. Ça fait 3 fois d'affilée, Lyon. Vas-y, moi j'y vais, pas de soucis. Mais c'est contre qui que je joue là? C'est qui Christophe Houle? Je rigole, mon Fatal. Il est chaud, le Fatal. T'as mal au derrière, mais c'est rien, mon Roger. C'est que de l'amour. C'est que de l'amour, mon Roger. Tu veux pas venir en vocal, mon Fatal, là? Viens en vocal sur le Discord. Viens, on discute. T'es chaud pour venir ou pas? J'ai un super niveau Lulu 400. Vas-y, cool! Allez, c'est parti. Christophe Houle. Tu peux mettre le Discord. Tiens, il est là.
Une équipe 3 étoiles, il n'y a pas de souci, Juju, je mettrai une équipe 3 étoiles, il n'y a pas de problème. Non, c'est pas celui-là le disco, le Discord, c'est celui-là. C'est celui-là le Discord, qui finit par Luthor, là. Luthor YouTube. Bah t'inquiète mon JBEC, il n'y a pas de problème, les gars, on n'est pas là pour gagner la Coupe du Monde, on s'en bat les couilles. Hein. Vous perdez, je perds, on s'en fout, là. Y a les... Ça compte pas nos points, on se fait plaisir. Hein. On se fait plaisir. On n'est pas là pour... J'ai pas la play, Juju. Ah bah forcément, sans play, c'est plus facile. T'as pas une équipe de porc. C'est pas grave, JBEC. Écoute, si tu me dis 3 étoiles, 4 étoiles, comme tu veux. Qui c'est le gars qui joue? Bah je sais pas qui c'est qui joue contre moi, là. Je ne sais pas. T'es contre ton pote, Christophe Hull. Mais il est sur le live ou pas, Will Run, là? Je comprends pas. Ah, un petit... Oh la vache, j'ai roté comme un gros dégueulasse. J'ai roté comme un porc. Faut que je me rase aujourd'hui. Je me rase tous les dimanches, les gars. Vous vous posez la question, hein? Bah, je vous réponds. She's gone bell, she's gone bell, she's gone scrum away. Il t'a déjà affronté. Et tu penses qu'il va me battre, Will, ou pas? Vas-y, mon JBEC. CC, il a fait une commande. Oh, il est trop fort, CC. Merci Mo Trinida. Ouais, oh, t'es vraiment le meilleur mode de l'histoire. Hein. Oh. Oh, et des petits lags. Le dernier match c'était 0-0. Ah ouais, ça me plaît pas ça. Bien joué ça. Ah, on va skill. On va skill, ça me plaît. Allez, live. Live skill. Ah putain, ça me gêne la lumière. Live skill. Tu fais le sif. Il me laisse partir, j'y vais. Oh là là, frappe éclatée. Éclatée. Allez, je retire le bonnet, les gars. Je me concentre. Oh, le con. Allez, le petit Maradona. Oh, le petit Maradona, putain, on l'arrête pas. On l'arrête pas. Ouais, il a l'air bon, hein. C'est bizarre. On dirait que c'est un faux compte. Parce que ça m'étonnerait qu'il ait si peu de points. Oh. Oh. Il y a une match cette nuit. Bah le lundi, ouais, demain il y a les packs. Aïe! Tu peux le réserver pour Seb Roger. Bah dis-lui qu'il vienne sur le. Oh! Y a pas de maintenance. Ah oui, non, ils l'ont déjà mis la maintenance. C'est pour ça qu'on a eu l'Elix. Comment il peut louper ça, Torres? Comment il peut louper ça? Eh, mais je l'ai joué il y a pas longtemps, lui, je crois. Oh là 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 là. Il me semble que je l'ai joué il y a pas longtemps. Oh, j'ai fait quoi, moi? Bon, t'as des petits problèmes de... Quel pack demain? Demain, il y a Barça. Attends. C'est des clubs espagnols, c'est pas foufou. Hein. Barça, Villarreal. Il m'en manque un. Fais du skill. Ah, mais en fait, il y a la connexion qui est pas ouf. Tu vois, ça passe en deux barres. Regarde, il y a des petits lags. Hein. C'est chaud de skiller déjà d'habitude. Alors, quand c'est comme ça. Moins scripté, Frenchy. J'en ai pas fait assez, mais si, c'est possible. C'est possible. Mais non, putain. Les fans de frappe. Ah oui, c'est Séville. C'est Séville.
Chavi Chav, j'aimerais bien jouer contre lui, à mon avis, il va me mettre cher. Salut World Computer. T'es quand même chaud, mais non, mon Roger. Je suis éclaté. J'ai eu de la chance. J'aimerais bien mettre un but avec Roberto Carlos. Oh bah c'est pas là. Ah Nexa, non non pas Nexa. Barça, il y a Pedri, ouais. Demain on aura le joueur de Schalke, il est pas ouf hein Juju. Franchement il est pas foufou le joueur de Schalke. Oh, encore. Ah, dommage. Séville, Koundé. Ouais, Koundé, ça peut être pas mal. Faut voir. Mais je crois qu'il est. Il me semble qu'il est pas très grand, Koundé, non? Oh! Compte favorable. Oh putain, je suis mort le but. Il y aura Ronny, non? Ah, oh, le but, je suis mort. Bien joué. Prochains iconiques, ouais, mais j'ai fait une vidéo, Pixie. Il y a tous les iconiques, les prochains. Alors, je me rappelle plus lequel j'avais dit, mais je. Ouais, le prochain iconique, vous pouvez le savoir. Bon, bah, l'engagement. Chavichev, il a grave progressé, mais ça a toujours été un tueur. Ça a toujours été un tueur. Cruyff, oui, il y a Cruyff. Hey, Cruyff, les gars. Ouais, vous voyez? Cruyff, il me fait plus kiffer que Rummenigge. Déjà parce que je kiffais plus le joueur en vrai. Moi, Rummenigge, c'est pas du tout mon. C'est pas du tout mon époque. Oh, c'est pas pour lui. Putain. Il était tout seul. Il joue bien. Il joue bien. Putain, j'arrive pas à passer. Non, crève, c'est pas mon époque, mais j'en ai quand même plus entendu parler, tu vois. J'ai quand même vu plus de trucs de. Bienvenue, Randy. J'ai quand même vu beaucoup plus de trucs de crève que de. Que de d'images de crève que de Rummenigge. Après, je dis pas qu'il était moins bon. Ça correspond à quoi la catégorie autre dans les stats de buts marqués, Mike? Bah, c'est tout ce qui est pas dans dans les catégories du dessus. Voilà. Tout ce qui est pas dans les catégories du dessus. Après, c'est vrai que Cruyff, je le connais aussi parce qu'il a été entraîneur de renom. De renom. Ah! Yo mon kid, ça va ou quoi? Un Maradona iconique, ça serait incroyable. Chavichov, sur le 2019, il était super relou à jouer. Alors je sais pas comment il est maintenant. Alors c'est pas péjoratif un hein, relou. Oh. C'est pas péjoratif. Mais il était en 5 def. Il était super relou, même les joueurs très chauds. Tiens, j'ai les pros, les semi-pros, il était chiant à jouer. Non, il est fort, j'aime bien. C'est un bon gars en plus. J'ai eu de la chance sur le but, mais vu que son but, il a eu de la chance aussi. Ouais, tiens, qui vous voudriez voir, les gars? Kanto, ouais, Kanto, mais je sais pas pourquoi Kanto, quoi qu'il est sur FIFA.
Encore que là, vous avez vu avec le problème des droits par rapport aux joueurs, là, peut-être qu'on va avoir des problèmes dans les futurs. Ah! Ginola, j'avoue. La prochaine fois. Merde! Je regardais pas. Il n'y a pas de souci, mon fatal. Eh, écoute, je te l'ai rendu, je te l'ai rendu. Zidane, Henry, Ronaldo. Henry, en plus, on l'a déjà eu. Remarque, on les a déjà eu. Il n'y a que Zidane, on n'a jamais eu en légende dans. Oh putain! Putain, mais ils l'ont bugué Maradona ou quoi? Bien ça. C'est dangereux ça la relance, il a bien anticipé. Oh! Réveille-toi garçon! Barthez! J'avoue, Barthez serait kiffant. Hein. Je sais pas combien ça coûte des droits pour des joueurs, tu vois. En une touche. Bien joué ça. Après, il a fait un truc chelou. Joël Batz. Ah, tu joues beaucoup plus offensif que sur le 2019. Mais je crois que cette année, t'es obligé parce que vu que tu peux prendre des buts de n'importe qui, n'importe comment, n'importe où. Ah, il a... Putain, il a pas voulu y aller. Bienvenue, Kazoa! Légende Minanda Castolo. Ah, tu peux te les faire, ces légendes-là. Tu peux te les faire. Pelé! Ah, Pelé, j'aimerais bien. Mais c'est iconique, je pense qu'ils vont le remettre. Normalement, il avait droit à 5 iconiques. D'ailleurs, Ronaldo aussi. Donc là, on en a eu combien? Je crois... Donc, je pense qu'ils vont en remettre. Hein. Shevchenko, Henry, David, Zidane, Gattuso... Kaka, Shearer, Drogba, Raoul, Papin, Pelé. Ouais, j'avoue. Hein. J'avoue, hein, c'est pas mal ce que tu nous annonces là. C'est pas mal ce que tu nous annonces. Hein. Tapis. Putain, mais moi je lis des messages alors que je suis en match. J'adorais Georges Weah. Ouais, mais. Ouais. Mais je sais pas si c'est vraiment leur but d'avoir beaucoup de légendes, tu vois. Parce que je pense que ça coûte cher. Et peut-être qu'ils se disent. Mais je pense que ça leur rapporte beaucoup quand même. Parce que franchement, ceux qui mettent un peu d'argent, ou trop d'argent, ou beaucoup d'argent, comme vous voulez, là n'est pas le débat. J'aimerais bien savoir. Je pense que c'est quand il y a eu Ronaldinho que les gens ont craqué le plus. Oh, c'est quoi ce but? Ah, mais je croyais que c'était. Mais j'ai cru que c'était. J'ai cru que c'était Messi. J'ai fait un enroulé. Ça a fait un enroulé du droit. Mais en extérieur chelou. Ah, dommage, il laisse pas. Ibra légende. Ah, Ibra légende. Ouais, Juve. Ibra légende Juve. Ce serait pas mal aussi. Hein. Putain, Van Dijk qui me fait kiffer sur ce match, pourtant autant des fois je le trouve pas ouf. Mais c'est pas pour lui, c'était sur le côté. Raoul iconique, ouais, mais est-ce qu'il serait bien? Romy, tu. Ouais, mais Romy il va y en avoir beaucoup parce qu'il est cheaté. Vieira, ouais, je pense qu'ils ont mis beaucoup aussi. Oh. Ah! Ah, j'ai suivi, hein. Platini, ouais, j'avoue. Tony Verrel. Non, moi j'aimerais bien plus de défenseurs. Makelele, ah ouais, Makelele. Je kifferais. Oula, par contre.
Desailly, ouais, Desailly, Deschamps. Franchement, imagine un Deschamps avec sa tête là. Un Laurent Blanc. Vas-y, bah, pas de soucis. Dis-lui qu'il se reconnecte. Oh là là. Ouais, tu rames de ouf. Bienvenue, pouce. Ah. Je suis sur PS5, ouais. PS5, Mitroglou. Mitroglou Marseille. Aïe, 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 il serait énorme. Bien joué à toi. Bien joué à toi, mon ami. Merci Christophe. Bien joué à toi. Bien joué, bien joué. Je t'en prie, merci à toi. Salut Mpousse, comment ça va? Cannavaro, ouais, Cannavaro, je kifferais, hein. Franchement, un Cannavaro Nesta de l'époque. Oulou, ça vibre. Enfin, c'est plus une vibration le téléphone. C'est plus une vibration. J'ai cru que ça allait faire tomber le bureau. Je compte toi, mais j'ai pas Discord, Maninouche. Eh ben, tu passeras après, Maninouche. Alors, on a le Seb, le pote à Roger. Putain, je lui ai envoyé un message. Bienvenue, Théo. Tu m'entends? Je suis ton beau Chipolata. Chipolatea. Je vais lui mettre le petit mot de passe. Voilà. Ce qui est le patron. C'est Moi. moi. Salut Tito, ça va? Vas-y, Seb, tu m'entends? Seb? Et là, ça sera mieux. Là, ça sera Ah, mieux. ça y est. Tu m'entends, Victor? Je Allô? t'entends. Ouais. Tu m'entends? Je t'entends. Ouais, c'est bon, je t'entends là. Ça Attends, va? le Comment ça mien. va? Je t'ai Bon, et envoyé le toi? code. Attends, T'as Ouais, reçu? attends, T'as Roger. envoyé le Attends. message, il me semble. Ouais, il a Ouais. envoyé le code, il a dit. Non, Ça va te je dire ne l'ai quelque pas chose, le appelé. code. Alors. T'es meilleur que Seb? Seb, t'es meilleur que Roger ou pas? Ah ouais, attends. Il sait pas faire, il sait pas faire. Bah, souvent quand je joue contre lui, je le bats. Ah! Ah, du challenge. Ce que t'as vu, je lui ai mis 4-0. Mais c'est Ouais, j'ai grâce. bien, Ah, mais c'est t'inquiète, grâce. j'étais sur ton live, j'ai suivi ça en direct. Mais c'est grâce à moi qu'il gagne parce Tu qu'il y t'es a une foutu équipe de de lui? J'ai ouf. suivi ça en direct. Et ma femme, et tu sais que ma femme, elle avait dit, ma femme, elle a dit, si Roger joue contre Luthor, il perdra. Ah bah Mais elle a dit, voilà. si toi tu joues contre lui, t'as une chance de réussir à faire quelque chose. Je pense pas, mais bon. Ah, intéressant, intéressant. Attends. J'ai dit à ma femme, écoute, si tu te trompes, je te donne à Luthor. Elle a dit Intéressant. non, elle veut pas. Elle a dit non, elle a dit non. Ah, tu sais pas ce que tu perds. Elle sait pas ce qu'elle perd. Chérie, chérie, elle a dit, tu sais pas ce que tu perds. Hein. T'as quoi comme équipe Elle a dit, bah tant pis. Ah, t'as une grosse équipe. Alors, moi, ouais, tu vois, tu regardes. Non, je la vois pas. Je peux pas voir ton équipe. Faut qu'on commence le Attends, match. alors. Non, mais c'est bon, vas-y, vas-y. D'accord. T'es chaud? Attends, hop, ouais. T'as un petit débat que tu voudrais lancer, toi? Tu voudrais parler de quoi? Ah, des mots, écoute, non, pas Bon, spécialement. ça Après, ouais, au niveau de l'arbitrage, comme Roger t'a dit, au niveau de l'arbitrage. La vitesse des joueurs. Après, ouais, par moment, la vitesse des joueurs, c'est un peu bizarre. Enfin, par moment, comme hier, je joue contre un gars, et genre, on va dire, j'ai Rummenigge, qui est. Moi, j'ai réussi à le faire monter à fond. Donc, t'as Rummenigge sur le côté, qui court, qui court, qui court. Et j'ai, on va dire, De Ligt, qui a des défenseurs quand même les plus lents pour moi, à côté de moi. Il y a des moments, Ah, les trucs qui sont pas logiques. Tu te dis, mais c'est pas possible, c'est quoi ce truc-là? Enfin, tu ça vois, normalement, il faut que dépend. t'es parti avec une flèche, t'es parti, quoi. Le mec, il doit pas courir là à côté de toi. Et Ça, ça, pour moi, je ça comprends pas dépend ce aussi truc-là. du. C'est un peu, ça dépend aussi un peu du script. Hein. On va pas se mentir. Hein. Bah ouais, parce que Champignon, je sens pas bien. je pense que le mec, en fait, bon, c'est vrai que par moment, t'as des défenseurs qui sont lourds, mais le mec, il anticipe, donc forcément, bah derrière, ouais, voilà, le mec, il a anticipé. Mais sinon, je veux dire, pour moi, quand t'es avec des gars comme Mbappé ou Rummenigge ou d'autres attaquants comme ça qui sont super rapides, tu peux pas être à côté d'un mec comme t'as 98 de vitesse, tu peux pas être à côté d'un mec d'un défenseur qui a, je sais pas, 85 de vitesse ou 80, enfin, tu vois, c'est un peu. C'est ça. Ah, attends, je regarde ton équipe. Rummenigge, Bonucci, Torres, Messi, Colasinac. Koné. Déjà, l'attaque, elle me fait mal à la tête. Le milieu, Matheus Vieira, Beckham, Iconic. OK. Et la défense. Alors, ta défense, ça me fait moins peur.
À part à la bac, je trouve très fort. Mais après, c'est bien. Mais tu vois, je vais me méfier. Ah, il a saigné le pack Bayern. T'as mis combien dans le pack Bayern? T'as mis quoi dans Roger a mis 150 balles, je crois. 150 balles, Roger a mis. Mais vous partagez le même compte. Et moi, Bah, en fait, non, c'est ma. En fait, c'est ma. Ouais, on partage le même compte, en gros, mais moi, j'avais déjà mis 65 packs. Le jour du Bayern, j'ai ouvert 65 euros, j'avais rien eu. J'ai remis 20 euros, je te l'avais dit sur ton live. J'ai ouvert 20 euros, j'ai réussi à avoir en ligue. Vous faites ça alors qu'il y a des gens qui meurent de faim dans le monde. C'est un plaisir. Il y a un mec qui a un sujet fatal en disant ça. J'étais mort de rire. Après, comme ce que j'adore chez toi, tu vois, c'est ça que j'aime bien chez toi aussi, c'est que dans tes lives, je regarde tous tes lives tout le temps, et tu dis toujours, les gosses, c'est cageux. Nous, on peut se permettre de mettre de l'argent, mais ceux qui ne peuvent pas, n'allez pas vous endetter à mettre de l'argent. On le fait parce qu'on peut, sinon on le ferait pas. C'est ça. Ah non, c'était pas fatal. Attends, c'était sur... vous avez pas vu, c'était sur Twitter. D'ailleurs, c'était. Il y a un mec qui commentait la vidéo de Fatal en disant « Ouais, en 20 euros, j'ai eu je sais plus qui. » Et il y a un mec qui répond « Mais t'as pas honte, avec 20 euros, tu peux nourrir 3 familles, je sais pas quoi. » Mais attends, mais le mec, il va où? Mais tu crois vraiment, dans ton live, il y a des moments, tu crois vraiment qu'il y a des mecs, t'as des mecs qui te mettent des commentaires en disant « Ouais, moi, avec 20 euros, j'ai eu ça. » Tu crois vraiment que c'est réel? Tu crois vraiment qu'il y a des mecs, avec 20 euros, ils arrivent à voir, je sais pas, 3 Beckenbauer? Ouais, franchement, j'en suis sûr. Regarde-moi mon dernier live. C'est ouf. Le premier pack, t'as vu? Ouais, le premier pack. Ouais, c'est dingue. Ouais, si, j'ai regardé ça, ouais. Et puis derrière. Ouais, pas de Beckenbauer, tout ça, c'est ça. Dingue. Bah, Viro. Viro, c'était anthologique, hein, Viro iconique. T'as paquet. Ouais, c'était anthologique. Mais tu vois, donc après, quand ceux qui me connaissent pas, qui disent que j'encourage les mecs à paquet, quand tu vois ça, non, ça c'est, faux. C'est faux. Parce que tu dis, le mec, il a mis. Ah ouais, non, c'est faux. T'as vu tout ce qu'il a mis, il a eu Viro au bout de. Ça donne pas envie de paquet pour moi. Ouais, non, mais c'est clair, mais puis, de toute façon, tu dis toujours, ouais, non, surtout, si vous pouvez pas, n'allez pas vous endetter, enfin, t'étais toujours en train de, non, sur ça, les gens peuvent pas dire que tu insultes, t'as paquet, c'est faux. Après, au contraire, t'avais fait toujours les gens. Ouais, il faut, parce que... Et c'est ça, bah oui, et c'est ce que je disais, que tu l'as dit Roger tout à l'heure, c'est ça qui va chez toi, c'est que t'es toujours près de tes, entre guillemets, les youtubeurs, t'es toujours près d'eux, t'es toujours en train de leur dire, bah non, ne paquez pas si vous pouvez pas, enfin, t'es quelqu'un d'avenant par rapport à d'autres youtubeurs qui sont pas comme ça, toi t'es près de nous en fait, et c'est ça qui est génial chez toi. Oh, on essaye. Par contre, c'est la même connexion que... Non. Ah ouais. Non, moi je suis au Moyen-Âge. Ah ouais, c'est vrai que là ça... Moi j'ai la DSL, je suis en train de me battre pour la fibre, hein, mais ils savent faire, ils ont galère là. Ah, ça va te changer la vie, pour la fibre. Ah bah oui, bah bien sûr, bah, j'attends que ça de toute façon, hein, mais malheureusement... Ah ouais, mon pauvre. Pas moyen, tu je vois. Je compatis, j'avais la même chose avant. Ah bah, il y a des moments, je pète les plombs, hein, je te jure, je vois des mecs, je deviens fou, hein, je me dis, c'est pas possible, ça bug, je perds des matchs à cause de ça, et des moments, ça me quitte carrément le truc, tu vois. Ah ouais? Avance! Ah ouais, hein. Oh, t'as ça me quitte carrément, avancé. Ça me coupe la partie. J'ai perdu alors que je mène 4-0, ça me coupe la partie, je dis, mais non. Arrête de critiquer SFR, Mzoula, moi je suis chez SFR, maintenant par la fuite, pour l'instant, j'ai pas de soucis. Un jour, j'aime bien, mais le problème, c'est que la fibre, pas moyen de l'avoir. Je vais vous raconter ce qui s'est passé, les gars. Un jour, il n'y a pas longtemps, là, d'un seul coup, je passe au bout de ma rue. En fait, à 100 mètres de chez moi, il y a le coffret, tu vois, coffret fibre. Oh, bien joué. Il y a le coffret fibre. Il est en train de venger Roger. Et là, je vois, il y a un mec qui est en train de travailler sur le coffret, tu vois. Je rentre chez moi, la co, elle se coupe. Putain, je suis monté dans ma bagnole, je suis allé le voir. Et je lui dis, tu me rebranches tout de suite. Il dit non, mais je faisais des tests et tout machin. Et hop, il m'a rebranché. Ah bah oui. Ouais, non, mais moi j'attends à chaque fois, c'est en train de me dire oui, c'est de votre rue, ça va arriver. Mais je dis arrêtez un peu, ça fait des mois et des mois et des mois que j'attends ça. Oh là. Il a eu chaud. Ouais, touche. Ah, bien joué. Ça se fait très souvent. Ouais, je sais, Mzoula. Je sais, c'est pour ça que je suis allé le voir direct, le mec. Il voulait me débrancher. Oh là là! Oh, il est passé à travers! Oh putain! Bah allez les gars, il n'y a plus de rigolade là. Putain, Roger, il est content, il se fait venger. Attends, c'est pas fini le match. Ah bah c'est sûr. Ça sera PC, j'ai peur. J'ai pas, il s'est un PC lui, t'as attention. Ah là, j'ai chaud. T'as l'ensoi aussi, un pur l'ensoi aussi, Sébastien. Là j'ai chaud. Pire que moi. En plus, avec sa connexion de caravane là. C'est... Ouais, en plus, c'est ça. Pas facile, c'est ce qui mène ma connexion de caravane en gros. Parce que lui, il est habitué à jouer avec sa merde là.
C'est ça. C'est carrément ça. Ah, le fait qu'il bug souvent, ça va permettre d'acquérir plus d'expérience. En fait, du coup, il s'habitue à avoir le jeu gros move, il s'habitue. Moi, c'est ouais, mon point ça. Fort, ma connexion. C'est ça. C'est son point fort. Ouais, ah, mais t'inquiète, t'inquiète. Ouais, c'est vrai. La connexion est minable. C'est horrible. Des fois, je suis en oh, train le cafouillage. En fait, attends, c'est pour qui, à ton avis, là? C'est pour qui, la faute? Je sais pas pour toi, non. Oh, bah, pour moi. Il y a des moments où tu comprends pas tout dans PES, là. Oh là là. Ah, je suis mort. Ouais, ouais. Et ça t'est déjà arrivé, ça? Il y a des moments où tu veux frapper, le défenseur il vient devant toi, ça le touche et il dit faute pour toi. Ah oui, oui. Alors bah, tu tires, oui. Tu dis ah, allez comprendre. Tu dis c'est quoi ça? Vas-y, il vas-y. Y a trop de parties logiques. Il y a des fois qui sont même pas aussi insifflés. Bah oui. Ouais, mais les fautes c'est pour tout le monde, les gars. L'arbitrage, c'est ce que je vous dis. Eh, faute, hein. Y'a rien. Ah, tu sais, j'essaie de jouer plus sécure parce que je sais pas ce que ça va me faire là. Ouah. Attends, on voit que toi t'es habitué. Oh, ah, y'a un décalage horaire, cousin. Y'a un décalage horaire. Oh lolo lolo. Y'a un décalage horaire sur son. Dégage-toi. Ah, je suis désolé pour ma connexion. Seb, pour lui, c'est normal les deux barres qui s'affichent là. Pour lui, il joue. Oui, oui, ouais, bah, je suis habitué, je vois tous les jours ça, moi. Le jour où je vais plus les voir, je vais pas être bien. Je vais dire, merde, mes barres, ils sont où? Il y a un problème, ils m'ont enlevé un truc. Ouais. Mais non, putain, les fans de frappe, ça me rend fou. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Luthor? Avec moi, tu me mettais la PC, là, tu veux plus la PC, qu'est-ce qui t'arrive? C'est les fans de frappe. On inverse les rôles ou quoi? T'inquiète, eh, tu sais, y'a que 2-0. Y'a que 2-0. Bon, y'a que 2-0 le match, rien du tout, c'est pas fini. On connaît sur PS en plus 2-0. C'est peut-être la pire avance possible. Oh bien, avec Kimmich qui va dans sa place. Il va crocher pour Beckham. Beckham qui le frappe et c'est pour Trey. Avec Dwight Trapp qui se retourne. Oh, oh Beckham, par contre, des fois il met 10 ans à se retourner. Ah! Y'a faute, y'a faute, y'a faute. Oh non! Y'a faute! Oh non! C'est honteux, hein, Seb! Mais ce que vous non! Avez fait, là. Ta faute est honteuse! Oh non! Hein. Regarde, je marque là, t'es prêt? Ah, c'est dégueulasse ça! Ah, mais arrête! Y'a même le physique, on devrait parler. Ah! Quand t'es un mec qui est. Genre un viral contre un missile, qui missile il bouge pas. Eh, dis à ta femme qu'elle éteigne le micro là. Ta gueule toi. Dis à ta femme qu'elle éteigne le micro ondes Didi. Dis à ta femme qu'elle éteigne le micro ondes. Je sais pas. Ah, parce que quand je vois. Oh, oh, oh chérie, 3-0. 3-0. Mais grâce à ma connexion, hein, j'ai une connexion de caravane. J'ai une connexion de caravane. Oh la frappe qu'il me met, oh, il me fait mal. Mataos. Il me fait mal. Oh le Mataos du gauche. La fusée. Oh ouais, là, ça sent la fessée. Grâce à qui Mataos? C'est grâce à Bibi aussi. Ouais voilà, donc en fait c'est grâce à Roger, il est en train de dire ça. Ouais, c'est grâce à Roger, il dit. C'est qui Mataos? C'est grâce à Roger. C'est clair. Ta femme a dit rien pour l'oseille que t'as mis dans le jeu, ça va? Non, non, bah franchement, non, j'ai pas un plat sur ça, honnêtement, non. Après, elle me dit, faut pas tomber dedans non plus, tu vois, mais honnêtement, j'ai. Non, au contraire, il y a des moments, c'est elle qui me dit, à la fin de l'année, je te l'ai dit, elle m'a dit, bah mets 20 euros si tu veux, allez, tu vois. Pénalty, carte non, elle rouge. Est pas, elle est pas. Y'a quoi? C'est ouais, moi qui franchement, fais faute, elle est cool sur ça. Oh, oui, arrête! Pardon. Oh, Roger! T'as le boîtier ou quoi? Non, j'ai la chance d'avoir une femme formidable, franchement, je peux pas me plaindre. Ouais, c'est pas ce que tu disais l'autre fois. Ah non, c'est pas ce que je disais l'autre fois, c'est vrai, mais dis-lui pas. Et c'est quoi, chérie, comme Luthor, la femme de Luthor, c'est du 38 ou du 36 que tu mets, c'est ça? Pareil. Oh, taille. Oh là là, vas-y, tu me violes, en tout là. Cas, en tout cas, on s'est éclaté. Franchement, on s'est éclaté sur le live que t'as fait avec ta femme. On s'est éclaté parce que moi, ma femme, elle est. Plus le temps que je te regarde, elle m'a suivi à te regarder ouais, et elle a adoré ça. Ouais, ma femme, elle m'a engueulé parce qu'elle m'a dit, ouais, c'était même pas préparé tes questions. La prochaine fois, t'as. Et certaines questions, en fait, c'est elle qui me le disait. C'est elle qui me disait, bah, pose-lui ça. Mais je vois qu'elle se met à côté de moi. Je lui dis, qu'est-ce que tu fais? Je lui dis, bah, non, moi aussi, j'aime bien Luthor. Vas-y, je vais le regarder avec toi, j'adore. Maintenant, c'est elle qui me le dit. Voilà. Ah, la coquine, y a dit. La coquine, hein. Elle va t'appeler Luthor, fais gaffe. Ouais, je vais devoir me raser les cheveux, t'imagines? Non, on va refaire avec ma femme, mais faut que je trouve un concept. Ouais, c'était génial. Moi, j'ai adoré. Faut que je trouve un concept.
La grosse batterie. En fait, parce qu'à la base, j'avais trouvé un site où il y avait les questions des amours. Sauf qu'à forcément, arrivé le live, je trouvais plus le site. Ah oui. Ah bon ? Radio Libre. Mais ouais, mais Radio Libre, mais est-ce qu'il y avait des mecs qui vont vouloir venir parler et... Vas-y, mais t'as... Ouais, tu me le mets, eh, écoute-moi bien, tu me la mets celle-là, ça a mal se passer. Ouais. Ça a mal se passer. Il me dit, si tu me mets quatrième, ça se passe mal. Non, là, De Jong, il est en MR. Il est en MR. Après, c'est normal, après, c'est normal aussi que je gagne ta pétre sèche dans les buts. Ouais, ah ouais. C'est pas un gardien, ça. C'est tout ce qu'il y a de bien chez lui, en fait, c'est tout ce qu'il y a de éclaté ce que j'ai fait. Petrusec, il est dégueulasse, non, c'est pas un gardien pour moi. Je te l'avais dit dans le lutte ton live. Des fois, il fait des trucs bien, et des fois... Ouais, mais moi, je te l'avais dit dans ton live, je l'avais eu l'année dernière, et j'étais heureux, parce que pour moi, en vrai, c'était un super gardien. Et je me disais, Arsenal et tout, il avait été top et tout, moi, j'adore, donc vraiment... Et puis, je l'ai vu rien faire dans le jeu, moi, je prenais des buts avec, mais je dis, c'est pas possible, il plonge pas, t'as l'impression qu'il fait aucun arrêt. Oh, mais c'est incroyable. Et c'est pour ça que quand tu l'as eu, que t'étais content, j'ai dit bah j'espère qu'il va être meilleur parce que moi je sais que je l'ai vu, il était naze. Hein. Je m'en naze. Et il y en a, ils kiffent. Hein. Bah ouais, je comprends pas. T'as bien vu, mais... t'as vu les matchs que t'as fait le premier jour que tu l'as eu. Depuis que j'ai, je le trouve meilleur. C'est pas ah ouais. Bah moi je sais pas si c'est moi, mais j'ai l'impression que t'as certains joueurs en fait, quand tu les as, bah ils sont bons, mais à la force de jouer avec dans ton équipe, j'ai l'impression qu'ils jouent de mieux en mieux en fait. C'est l'impression que je sais pas. J'ai déjà vu des joueurs pas trop bons et une fois qu'ils sont à fond, bah, je sais pas, il y a pourtant le collectif il y a 99 et tout, mais il y a des moments, les joueurs ils sont meilleurs qu'après. Ouais, bien joué. Bah, quand même. Bon, bah, je te ferai plus de fois près de la surface. Hein. Ouais, voilà, comprends. Prépare ta femme, elle va t'entendre pleurer dans 5 minutes. Ma cousine, elle était dans son lit. Alors franchement, c'est ouf, elle était dans son lit, elle a vu qu'elle a tourné contre toi, elle se lève là, putain, c'est intéressant. Mon chien gagne 3. Elle a dit, il a dit quoi il vient de dire prépare ta femme, il a dit. Prépare-toi à pleurer. Mais bouge. Oh punaise. Le compte avec Remiligueux sur le côté gauche. Y'a rien. Voilà, bim. Allez, au revoir Remiligueux. Tu repasseras en deuxième semaine. Van Dijk, il est bon, mais moins bon que l'année dernière. Et l'FC, non, c'est Victor FC, ça. Ah, pardon. Oh mais c'est incroyable. C'est incroyable. Oliver Kahn, mais oui, Luther, Oliver Kahn. Oh là là. Tu là, là. Non, ça veut dire 3-1. Bon, j'ai l'impression que le chrono, il tourne pas. Ah ouais, c'est sûr, ça va. Comment alors? Le chrono, il tourne pas. Le chrono, il tourne pas. Tu vas voir, il va tourner le chrono. Il y a 3-2, là, regarde. 3-2. Ah mais par contre c'est incroyable la chatte que t'as t'es sûr. Ouais mais c'est normal, ma femme elle est à côté, ma femme elle est à côté, c'est ça. Encore que t'es là chérie, sinon je me demanderais où t'étais. Attends mais y'a que des corners là. Les rouges. C'est quoi Ouais Kane il est incroyable. Il y en a qui me disent qu'il est nul hein. Ah non il est fantastique. Ah non Kane. Oh. Et même la caméra elle suit pas. Oh la caméra elle avait pas suivi. Seb t'as buté les ailiers. Tes yeux sont purs, c'est de gros. Ah mais je vais devoir mettre pause alors parce que... Eh oh tu l'aides pas hein. Chier, bah mais ça lui arrive souvent. Non mais ça c'est un truc hors-jeu, de hors jeu. C'est vrai. Franchement il y a un truc vrai qui se passe souvent, ça lui arrive tout seul. Ça, il appuie pas sur les touches. Ah il doit appuyer quand même parce que... Non je te jure je touche à rien ma parole, je sais pas ce que c'est ce truc là, franchement ça me gave. Oh, il est hors-jeu. Roger, je suis t'as perdu 4-0, 5-0. Mais je l'aide, tape ta bouche, toi. 4-0, il a pris la fessée. 4-0, il a pris la fessée, il a dit. Nini, il prend la fessée, nini, écoute. En plus, tu joues plus que 7, toi. Non, en plus, ah, ouais. J'ai perdu aussi parce que je parle. Franchement, plus... parler quand tu joues, c'est pas pareil. Hein. Putain. Là, il perd, du coup, il est plus concentré. Ah, je suis concentré de ouf, là. Il est tout seul dans l'axe. Oh, punaise. Ouh. El Nino. Chut. Oh, il est bon, Petrusec, quand même. T'as vu qu'il est bon, Petrusec. Ah, ouais. Attends. Pourquoi ça change? Ah, bah oui, voilà. Je vais refaire des matchs, les gars. C'est pas fini, le live. Vous inquiétez pas. Attends. Ça va pas, ça. Non, mais super JPH, c'est bon en plus, hein.
Super JBL, c'est vrai en plus. Moi, quand je parle, j'ai du mal à me concentrer. Ah bah, c'est plus dur, hein. Fallait pas parler. Ah, mais bon, je vais pas me faire un blanc. C'est non, pas... non, c'est sûr que c'est si pas évident de parler. Pour moi, je suis avec Luthor. Attends, c'est pas toujours, quoi. Bah, c'est clair. Et ça, tu vas faire ça régulièrement le dimanche? Ouais, je pense, ouais. Si ça vous oh, plaît. Oh, c'est génial, hein. C'est génial. Si oh, ouais, carrément, c'est génial. Carrément, moi, ça, c'est allez. Génial. Y a pas de MR dans ta compo, tu le mets où, De Jong? Ouais, mais Pixie, ça, c'est une alternative. Je vais te faire voir. Fais de la coop, mais la coop, j'aime moins. La coop, c'est ouf. Nous, on fait de la coop avec Seb, on en fait des heures, des fois. Ah ouais? Ouais, oh, Seb, il abuse. Seb, il croit qu'il va me mettre des buts à la Olivier Tom. Il me respecte pas. Je tente un truc. Ah, vas-y. Je tente un truc. Hein. Voilà. Allez. C'est maintenant. Il y en a qui bottent. Hein. Oh ah, bah ouais, il y en a qui bottent. Il y en a sans week-end. Bah ouais, il y en a, non. Il y en a qui bossent, ouais, c'est vrai, chérie. Ah, mais vas-y, c'est ouf! Ah! Ah, mais t'es genre, ils ont bu du Red Bull, hein! Ah, c'est incroyable! En plus, on a acheté hier pour lui, attends bien! Ah! Oh, voilà, oui. Pet! T'as vu qu'il est fort, Pet! Ah ouais, il plonge, hein! Fais gaffe, je passe en offensif, là. T'es pas prêt! Ouais, mais là c'est. Ouais, tu penses offensif, Luthor, c'est bien, mais. Tu fais. Contre Seb, c'est une grosse erreur contre Seb. Ouais, mais... Voilà! Tremble! Tremble, Seb! Ouais, tu peux y aller à partir du téléphone! Regarde, il commence à serrer les fesses là! Il a les fesses qui disent bravo là! Il a les fesses qui disent bravo! Quoi? Légèrement. Ouais. Oh Mario. Alors, qu'est-ce que je peux faire là-dedans? Oh Mario, t'as pas. C'est comme l'ancien. Non, sur mobile, tu peux tranquille. Hein. Si t'as une bonne co, y'a pas de problème. Et le but de Carlos. Attends, bah. Là, on essaie déjà d'égaliser. Pour pas perdre. T'as vu, pour le Maldini? C'est un bon joueur. Maldini, ouais. Ouais, Maldini, Zaghi. Bien sûr, tout ce qui finit en I, quoi. Spaghetti. Y'a un mec qui a marqué Mathieu, j'ai joué avec Seb, j'ai perdu 4-1. Oh bon? Et toi, t'as pas la même compo que, que Roger, non? Je sais pas comment il joue Roger. De quoi? Oh là. Voilà. Ah ouais. Bah, prends la but. Oh, mais c'est incroyable! C'est incroyable ce chat! Attends, juste deux secondes, pourquoi ça... Ça, je comprends pas pourquoi ça bouge. Putain, je le touche. Pourtant, je touche à rien, c'est énervant ce truc. C'est énervant. C'est qui toi? Ah ouais, c'est Ancelotti. Elle est pas mal cette compo aussi. Oh, moi j'aime bien mon compo comme ça, franchement, non, moi j'aime bien. T'es à combien de points, toi, mes clubs? Moi, je suis à ce... 6... presque 700, parce que tout à l'heure, j'ai fait un match D, j'ai perdu contre un 900, donc je suis descendu, mais j'étais ah ouais 7, au plus, j'ai été 7-14, un truc comme ça, 714. Plus que ça. MDR, là. Il y a MDR, la femme. Après, je joue pas tout le temps non plus, enfin, tu vois, je joue... J'essaie de jouer régulièrement, mais pas... Oh, le joueur, il s'est arrêté, non, mais... Je pense que ça va mieux, la connexion, là. Oh oui. Allez. Sur l'ouverture, là. Vas-y, passe. Oh, comment il apprend? Oh, dommage. Ouais, le Kane, ton Kane, il a fait trop d'arrêts, là. C'est abusé. Oh, ouais, ouais. Non, moi, j'aime bien Kane, franchement. Bah moi, oui, t'aimes d'ailleurs, bien. Quand j'ai acheté l'édition PES, j'ai acheté lui au premier. Ah ouais? Ah ouais, ouais, parce que je voulais commencer avec un bon gardien. Moi, je savais qu'il était bon. Faut regarder qui gagne, peut-être, là. Allez, là. Oh, comment il m'a bougé. Allez, allez, Messi. Allez, Messi! Je te tacle. Allez, regarde le contre. Oh, le contre on marque. On a le là, temps. C'est le money time. On a le temps. C'est le Luthor time. 5 minutes! Ah! Ça change. Mais! C'est incroyable ça! C'est pas fini. Ça, c'est moche. J'ai la dernière. Ça a changé, ouais. Mais c'est déjà bon. Oui.
pas fini, c'est pas fini. Ah wow. Bien joué, bien joué, bien joué. Ah bien joué, non mais là, c'était la connexion aussi, hein, franchement la connexion. Un deuxième bita, c'était parfait. Ouais. Oh mais je ça fait plaisir. Ceux qui veulent m'affronter, les gars, venez sur le Discord. Ça fait plaisir. C'était serré, hein. Bien joué, Adam. Ouais, bah carrément. Bien joué, Seb. J'aurais jamais pensé à jouer contre toi un jour, franchement, ça m'a fait super plaisir de jouer contre toi. Ça fait 3-1, c'est ça, les gars. T'as combien il a fait d'arrêt ton Kane? Il a fait 4 arrêts quand même. Non, 4 arrêts. Enfin, des fois, les stats. Non, là, bien joué. Bien joué, Seb. Ouais, toi aussi, t'as bien joué. Pressé de te voir demain. Bah, on verra ça. On va voir les lives demain. Qu'est-ce que tu vas. On verra ça. Ça marche. Allez, t'arrives pas à rejoindre le Discord, Greg? C'est pas possible. Les gars, vous êtes pas doués, quoi. Pourquoi vous arrivez pas? Mais si, vous. Bah, c'est bon, Après, vous allez dans Attends. Bon, Lulu, bah à demain. Allez, ça marche. La bonne soirée. Allez, à bientôt. Bisous à ta femme. Salut, bonne soirée. Ça va, merci. Salut. Merci, moi, CC. Faut aller dans Attente, les gars. Faut aller dans Attente quand vous êtes sur le Discord. Là, il y en a plein. Rose Noir, Seagame, Virus, Roger, Mehdi. Vous n'arrivez pas à rejoindre. Mais vous êtes sur le bon Discord, sur celui-là, là. Parce qu'il y avait un mauvais lien. Ninouche, tu peux venir en vocal ou pas? Elle est où, ma Ninouche? Parce que comment je lui envoie le code aussi? Tu peux pas, Ninouche? Attends, je t'envoie un message privé. Je crois que je peux sur... Ah, je peux. Je t'envoie un petit message privé sur... sur Twitch. Alors, Ninouche... Chuchoté. Ah, c'est là. Ok. Tiens, je t'ai mis le code. J'ai mis un code simple, hein, vu que c'est une femme, les gars. Alors, pas trop la perturber. Je lui ai mis deux trucs. J'espère que c'est pas trop. Ce qui est le patron. C'est moi. J'espère que ça va pas être trop. Hein. Non, c'est pas classique, Greg. C'est pas classique. C'est celui-là. Classique, c'est pas le bon. C'est celui-là. J'aurais dû mettre une commande. T'es sur le serveur PES, parfait. Ok, Ninouche. N'empêche, je remarque quand même. Excusez-moi, les gars. Que il y en a beaucoup qui disent ouais, tu joues pas avec des petites équipes. Mais quand vous venez jouer contre moi, les gars, ça met des équipes de porcinés quand même, les gars. Je suis désolé. Je suis désolé, mais je me dois de vous le dire. Allez, ma Ninouche. Ça va être dur. T'as combien de points, ma Ninouche, en My Club? Ça veut rien dire, regardez, Seb, il a beaucoup moins de points que moi, il m'a battu. Hein. 670, c'est pas mal. Hein. Merci CC, oh quel homme ce CC, pff, il est trop fort, il sait tout faire cet homme-là. Alors, Manus, ok, du 1B, du Carlos Iconic, du Beckenbauer, du Vieira, du Messi, du Nedved, du Remé. Tain, mais vous avez tous reméniqueux, vous me rendez fou les gars. Vous me rendez fou. Mais ta commande, c'est un lien. Non, mais c'est pas la commande, c'est celle-là. Ah merde, ça donne mon Twitch. Merde, je suis con. Attendez, je vous le redonne. Ah ouais, je suis con. Attendez, copier. C'est ça. Voilà, ça, c'est le Discord. Ah oui, je suis bête, j'ai pas mis le bon truc. Voilà, Greg, il a réussi. Ah merde, c'est mieux. Ah, je suis vraiment un débile. Ok, les gars. Donc, défensif sur Carlos, placement fixe, cible de compte, voilà. Ah, ma Ninouche a joué en 4-2-2-2, c'est parti. Belle compo de la Ninouche, exactement. Ninouche, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une femme. Ah, on a 6 games. Allez, ma Ninouche, bon match. Après, le prochain qui est en attente, ce sera le prochain qui jouera contre moi. Bon match. Bonne défaite. Je lui mets un petit coup de pression. Surtout, Ninouche, n'oublie pas. Ce qui est le patron. Et moi. Ça commence, c'est de la boxe. Ninouche, elle est juste là pour me péter la gueule. Attends, je tente des trucs. Hein. Oh, il m'a fait un double contact, il était éclaté.
Oh, il va y avoir du but, il va y avoir du but dans ce match. Parce que nos deux coachs, ils comptent à mort. Ah. Ah, ah, si tu l'avais mis dans l'axe. Ah là, c'est attaque-défense, les gars. Là, c'est jeu anglais. C'est le jeu anglais, les gars. Oh, A1B, il est trop fort. À l'anglaise, à l'anglaise. Oh là 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 là. Attends, attends, je vais me mettre en def parce que là, ça va pas. Putain. Putain, défends bien. Comment ça se fait que t'as que 600 là? Tu peux, bah, tu peux pas venir après mon Gibec. Ah mais prends là, ah, ça rend fou ça. Oh, c'est qui le prochain? Bah là il y a Mika qui est en attente. N'hésitez pas à venir avec des débats les gars. Je touche pas un calot. On fait des petits skills avec le gardien. Voilà, je suis obligé. Ah, je me concentre les gars. Ok, là il y a un petit décalage. Centre lobé. Ah dommage. J'ai cru hein. Putain, son Vieira il est partout. Il est autant partout que moi je le trouve nul. Oh, faute! Ah! Oh, faute de la ninouche! Putain, joue vite, joue bien! Elle m'enrhume. Je pense que si elle passait plus dans l'axe, il y aurait déjà 2-0. Tout seul. Ah, il lui met mal. Le Discord Hassan, attends, on va te le mettre, moi, Hassan. Ouah! T'as raison. Ah ouais, de ouf. T'as raison, hein. Oh! Ninouche, c'est du catch notre match. C'est du catch. Oh là là, bien joué. C'est du catch notre match. Oh là là. Ninouche, elle est pas là pour enfiler des perles. Elle veut se le faire, l'youtubeur de merde là. Oh! J'ai ah, c'est pas un maillot d'Orléans, mon fatal! C'est un maillot que Kenny m'a fait! Attention, attention, attention. Il y a Mika et Seagame après. Ah, merci, mon Seagame, pour ton sub! Oh! Oh. Merci, mon Seagame! Ah, Ninouche, elle est pas là pour rigoler. Ah, Ninouche, elle est pas là pour rigoler.
C'est un match de catch. C'est trop ça. Bien joué, Manouche. Aïe, aïe, aïe. Attends, mais le sub goal, faut que je l'enlève, faut que je le change. On met quoi, les gars, sub goal? Vous voulez un live avec ma femme? Un nouveau live avec ma femme? C'est chaud, Aninouche, elle est pas là pour blaguer. Radio libre. Ouais, mais moi, j'ai peur qu'il y en ait, qu'il y ait personne qui vienne. Katia est ta femme. Comment vous voulez que j'ai des partenaires après avec des conneries que je fais, moi? Voilà. Et on met à 150. Voilà, save. Non, ça va apparaître. Excuse-moi, Maninouche. Je suis à toi dans quelques secondes. Voilà. Allez, c'est parti. Y'a pas de soucis, mon Seb. Y'a pas de soucis. On va voir ta femme jouer à PS, ça va pas, non? Zéro tir. Mais les gars, Ninouche, elle a la première mi-temps, on sait. Mais ouais, Ninouche, faut que tu attaques plus dans l'axe. Je te jure, attaque dans l'axe. Parce que vu comment tu joues, je pense que tu peux facile avoir 900. Tiens, regarde, là, toi, tu serais parti sur un côté. Ok. Oh, il s'arrête. Après, il y a des sujets et des questions. Vas-y, il n'y a pas de souci. Même si vous voulez m'envoyer des mails. C'est peut-être qu'il y a des trucs que vous voulez faire en anonyme, tu vois. Mais je sais pas, vous avez besoin de conseils, love coach, tout ça. Attention à la contre-attaque. Elle défend très très bien, Ninouche. Elle défend mieux que moi, hein, les gars, je vous dis. Techniquement, moi techniquement, je suis pas très fort en défense. Si tu veux jouer contre moi, bah si t'es pressé, viens, moi, tu viens juste après. C'était là depuis le début du live. Ah, je me précipite trop. Là, je dois faire une passe normale. Je fais un triangle. Oh! Mais non! Vas-y! Wow. C'est Fatal qui veut t'affronter. Mais il peut pas, il est que ça, sa console, là, bizarre. Ouais, on fera... ouais, je pense dimanche... Ah non, dimanche, travail. Dimanche, je peux pas. Mais le dimanche d'après. Le geste technique qui fait tout. Le geste technique du petit Cruyff. Merci, Maninouche. On laisse la rediff. Non, elle veut pas. Elle veut pas, Ninouche. Casse-toi. Casse-toi avec ta rediff. Tu m'as mis un but, tu blaron, tu le regardes, tu la regarderas pas. Ah, on joue petit périmètre. Mat plaisant, mais exactement.
Ah! Parce que là, c'est plus dur de ressortir. Ah oui, ça veut plus. Ça veut plus, ça veut plus. Ouais, Poupou. Poupou le déménageur. Putain, Wan-Bissaka qui... Il l'a pris de vitesse. Ah, je suis allé comme un bœuf. Ah, bien joué! T'as payé Ninouche. Ah, je lui mets un beau but quand même, les gars! Ah, lâche le marquage, attention. Oh! Un peu d'Ival, vous êtes des bâtards, les gars! Il est magnifique, mon but! Putain, vous êtes vraiment des escrocs, vous y connaissez vraiment rien au foot, les gars. Sans. Ah, vous y connaissez vraiment rien au foot, hein. On va mettre Paolo ici. Allez. Pardon, 300. Ah, ils veulent leur pièce. C'est qui le premier qui est arrivé dans le Discord? Putain, je vais pas me faire égaliser. Bien joué. Ça va être dur. Dommage, le double 1-2 était bien vu. Très belle défense, très belle défense. Ah! Il me fait chier son Vieira. Je sais pas si c'est le Vieira iconique, mais... Moi, mon Vieira iconique, il est asthmatique, je crois, à côté. Ah, le tacle. Si tu tapes un match avec, après, et moi, j'enchaînerai avec le prochain match. Putain, j'ai pas compris mon... Gibec. C'est toi, Rose Noire. T'es le troisième arrivé. Ah, d'accord, donc le premier, c'est X-Dark, c'est ça? Ah, bien joué, Maninouche. Franchement, tu méritais. Hein. J'ai eu un tir cadré. Hein. Un tir cadré. Attends, on peut revoir le but quand même. Il va être loin, il va être loin. Ah, regardez là, le geste technique de Cruyff, les gars, je suis désolé. Ah, bam! Ah, il fait tout le geste technique. Bienvenue 06. Il y en a, ils mettent leur nom. X-Dark, c'est le dernier. C'est qui le premier? Ah, il est beau, mon but. C'est Mika le premier. Hein. Allez, Mika. Elle méritait de gagner, c'est ça. Je sais pas du tout, Kélik, je crois pas. Allez, Mika. Tu m'entends? Yo, Mika. Yo, ça va? Ça va et toi? Ça va, tranquille, tranquille. Tiens, je t'envoie le code. Vas-y. Ah, merci Zlataner pour ton Prime. Mika Rose. Mika, c'est Rose Noire. Non, c'est Mikado. Ah bah oui. Attends, je te mets le petit mot de passe. Attends, je le cache pour pas que les autres ils le voient. Petit coquin. T'as combien de points sur MyClub? Ouais, j'ai pas. Je dois avoir 630, je crois. Ok. Bon, après, ça veut rien dire du tout. Rien dire du tout. T'es dans quel lobby déjà? FR. Ouais, mais le 01, 02, 03. 01, 01. Je suis à 4. Ah ouais, je suis à. Dont le bâtard, c'est. Il a mis ratio 4-1, dont un vol contre Ninouche. T'as quoi comme équipe? Équipe cheatée? Ouais, à peu près la même que toi. Enfin, Allez. dans le même genre. Équipe cheatée, c'est parti. Bon, t'as. Tu voulais parler d'un truc spécial ou. Non, pas forcément, juste. Bon, si les gens veulent parler de My Club, mais d'avant. Les My Club d'avant, avant que tous les boosts et Donc, les icônes sortent. avant le. Bah, 2019, je crois, il n'y avait pas d'iconique. Ouais, mais même 2019, il me semble qu'on prenait nos joueurs, ils avaient déjà leurs vraies notes.
Alors que quand tu prenais le 2018, quand tu recrutais ton joueur, il était niveau 1 et il n'avait pas sa note. D'accord. Et toi, bah moi, j'ai pas connu 2018. Hein. Et toi, tu préférais? Bah, c'est. Je trouve que du coup, enfin, ce que moi, ce que je trouve, ce qui fait les bugs dans le jeu, c'est justement les notes qui sont vachement élevées. Ouais. Et le fait de commencer, par exemple, avec un Ronaldo, je sais pas moi, avec 6 ou 7 points en moins, et du coup, forcément, au final, il montait moins haut, ça faisait peut-être moins de bugs. Donc toi, t'es de ceux qui pensent que les grosses notes font le bug, en fait, les bugs du jeu. Bah, j'ai l'impression ouais, que quand il y a trop de grosses notes, après je dis pas hein, quand tu montes à 93, 94, 95 ça va, mais en fait comme on arrive sur des équipes où l'un en face de l'autre on a tous plus de 96 à peu près, voire ouais. Même au-dessus, je sais pas si le jeu a été développé avec les notes finales des joueurs ou avec les notes de base des joueurs. Mais moi tu vois je sais pas... Après, c'est peut-être peut-être moi, hein, dites dans le chat ce que vous en pensez. Mais moi, je trouve qu'en 3 et 4 étoiles, il y a autant de bugs. Moi, je sais pas, il y a les mecs qui me disent qu'il y a moins de bugs. Je sais pas, moi, je trouve pas. Hein. Il y a moins... Moi, je trouve qu'il y a moins de... Tu trouves qu'il y a moins de bugs, toi? Pas moins de bugs. Il y a toujours des bugs, il y aura toujours du script, ça existera tout le temps. Il y a moins de collisions, je trouve, ou de... Je sais pas comment... Je trouve le jeu, en fait, moins rapide. Ah oui, ça, moins rapide, ouais. Et du coup, forcément, s'il est moins rapide, je pense que ça, au niveau visuel en tout cas, après, il y a toujours des bugs, il y aura toujours des... Le côté script, pour moi, le côté faute non sifflée, les comptes favorables, tout ça, il y aura toujours. Mais ton match a l'air plus jouable. D'accord. Ok, mais c'est après, intéressant. Après, il y a un autre défaut, le problème des 3 étoiles, c'est que t'as... Plus de passes loupées et tout. Non, c'est pas ça, c'est que t'as plein de gens en fait qui jouent pas le jeu, qui mettent que des boules blanches sur le banc. Ah ouais, c'est ça. Et tu te retrouves avec des petites notes et eux ils ont pratiquement une équipe. Moi c'est ça qui me dégoûte, c'est pour ça que je joue plus avec les petites équipes. Alors que bon, ça, je devrais pas. Hein. Je devrais pas. Je t'ai mis une petite escroquerie là quand même. Bon, après, fallait pas que je fasse de faute. Ouais. Mais au final, ouais, je trouve que... Parce que tu vois, c'était sur le live, je m'étais fait chier à faire une équipe que argent, à les monter et tout. Du coup, ça me faisait une équipe 3 étoiles, mais avec des joueurs qui étaient à 80 et des bons joueurs. Hein. Et premier match, je tombe contre un mec, il avait Mbappé, Rashford devant. C'est... Y a quoi là? Penalty? Ouais. Mais tu sais, je touche... C'est moi qui suis tombé tout seul. Comment il peut y avoir penalty? Oh là là. Oh, l'escroquerie, heureusement, je te l'arrête. Je sais que tu vas tirer à droite, regarde, je sais que tu vas tirer à droite. T'as vu, je suis dans ta tête. T'es sur mon écran. C'est ça. Ouais, alors que c'est le contraire. Mais non, j'avais pas vu ce live-là, mais moi je sais que quand je le fais moi, la plupart du temps, c'est ouais, tu tombes sur 2-3 gros attaquants, hyper rapides, et du coup derrière... Bah ouais, du coup c'est dégoûtant, parce que les mecs, ils jouent même pas... Il joue même pas bien en fait, ça joue que super défensif. Et puis derrière, ça te balance des parpaings de vent. Et puis. Il y a ça. Et puis il y a le côté où en fait, finalement, ces gens-là, ils jouent que pour la note, on va dire, entre guillemets, c'est pas pour jouer. Ouais, c'est ça. Oh! Ah, mais Kane, les gars, faut que je l'achète. Vous me rendez fou, votre Kane. Il me rend fou, votre Kane. Putain, moi, je suis fair play. Hein. Je t'ai mis un petit gardien. T'as mis le seul que t'as, oui. T'es fou. Bienvenue à l'EM Quick Tour. Putain, j'ai bégayé ça. T'aurais pu me mettre ton équipe de gardien, c'était mieux. Hein. C'est vrai, ouais, mais ça aurait été un manque de respect. T'aurais cru que je te chambre. Et imagine, je te bats. Non. Imagine, je te bats avec une équipe de gardien. J'ai trop d'ego pour ça. Bâtard, bien joué. Imagine, je te bats avec l'équipe de gardien. Ah, tu l'aurais trop mal pris. Ça sert à quoi de dégoûter du jeu? Ah, je pense qu'après PES il serait reparti qu'en début d'année prochaine. Ah, beau but, il est beau. C'est avec Ronaldinho. Ouais, Ronaldinho. Ouais. Alors, toi, tu l'utilises où, Ronaldinho? Emo. Ah, Emo, ouais. J'ai même pas vu, c'est quoi ta compo? 4-3-3 avec MR, MDF, MDF. Vous êtes beaucoup à jouer en 4-3-3. Alors quand t'écoutes certains, y a personne qui joue en 4-3-3. C'est vachement plus efficace avec deux attaquants. On va pas se le cacher. Hein, mais
Je sais pas, moi c'est ma préférence de jeu en fait. Je joue pas forcément que pour gagner, je joue plus pour m'amuser du coup. Que je dois perdre ou gagner. Ah salaud! Mais ouais, du coup, j'ai essayé, hein, j'ai des compos avec deux attaquants. Ouais, et tu trouves pas. Tu trouves pas meilleur? Enfin, t'arrives pas mieux à gagner finalement? Si, je vais gagner plus, mais je vais prendre moins de plaisir dans mon match en fait. D'accord. Putain, mais moi je prends pas de plaisir quand je perds. C'est pas grave, bah, généralement je prends du plaisir quand je vois que c'est trop compliqué, je m'amuse sur les gestes techniques. Ouais. Ouais, c'est vrai. C'est un autre plaisir, c'est pas pareil. Ah, c'est kiffant les gestes techniques sur PS, sont tellement durs à placer. Ouais, ouais, bah au fur et à mesure, hein. Les premières années j'en faisais pas, et puis au début t'en apprends un, ouais, c'est un ça. Autre, et après. Puis après t'en as que t'aimes bien, que tu places facilement. Bah le double contact il est quand même facile à placer. Bah et puis cette année il est vachement plus efficace que l'année dernière. Ouais, si t'as le joueur qui le fait vite, c'est vrai qu'il fait mal. Après t'as le sombrero, l'arc-en-ciel inversé qui est pas mal. L'arc-en-ciel inversé. Attends, c'est lequel celui que t'appelles ça? Tu peux faire que avec Neymar, Fatih et Ronaldinho. Ah oui, d'accord. C'est la roulette inversée, non? Ouais, enfin moi j'appelle ça l'arc-en-ciel dans le sens où eux ils appellent ça la roulette arc-en-ciel, je crois. D'accord. Ouais, il est pas mal. Et en plus, il va vite aussi. Et il te permet de changer de sens. Oui. Et ils s'y attendent pas forcément. Wouah, putain, si je te l'avais mis celui-là. J'aurais réussi ma journée. Tu veux me faire quitter, c'est ça? Non, je veux mettre des beaux buts. On est là, on parle de beaux jeux. Ah, celui-là. Ah, ce double contact-là. Ah, il est éclaté celui-là. Ah, bien joué. Quel joueur qui te manque dans ton My Club que vraiment t'aimerais avoir? Franchement, là, dans My Club, après, faut voir s'ils sortent des légendes ou quoi, mais ce serait plus un joueur. Enfin, c'est un joueur que t'as kiffé quand t'étais plus jeune, quoi. Ouais. Et là, il y en a un que t'aimerais avoir, là, des joueurs qui sont dans le jeu ou. Non, franchement, pour l'instant, dans les dernières légendes que j'aurais voulu avoir, c'était Owen. Je l'ai eu. T'as eu le Owen iconique ou le Owen normal? Ouais. Et alors, il est fort? Après, je joue pas assez dessus. En ce moment, je joue pas trop dessus. Je suis sur. Valhalla et Cyberpunk. Ah oui. Ah, Cyberpunk, tu joues sur quoi? Sur PC? Sur PS5. Ah, et alors, il est bien? J'ai testé. Quoi? 2 heures et demie. Ouais. Enfin, c'est qu'il a bug et il était tard, du coup, je me suis arrêté. Ah, tu fais de la bonne pub. Salut, Coulio. Tu fais de la bonne pub pour le jeu. J'ai joué 2 heures, il a bug, j'ai arrêté. Niveau graphisme, moi ça va sur PS5. J'ai des potes sur PS4, c'est la fin du monde. Hein. Ah ouais, j'ai vu des trucs, c'est honteux. C'est honteux. Mais franchement, le style de jeu est pas mal. Après, c'est pas un jeu où tu vas aller allumer pour jouer une demi-heure, une heure. Quoi. Ouais. Tu feras rien si tu joues juste ça dans la journée, tu feras rien. Non, mais les gars, je pense que je me le prendrai. Je me le prendrai, mais quand ils sortiront une vraie édition PS5. Bah, le problème, c'est que moi je voulais faire ça, mais le souci, c'est que là, c'est la version PS4 à 52€, je l'ai eu. Ouais. Et la mise à jour PS5, elle sera gratuite, comme pour Valhalla. Donc, ah ouais? Ouais, mais est-ce que tu y rejoueras quand il y aura la. C'est ça le truc. Est-ce que tu vas y rejouer quand ils vont mettre la mise à jour si tu le finis sur PS4? Non, je l'ai mis sur ma PS5, et comme il y aura au fur et à mesure un live qui va sortir, je pense que je pourrais sur PS5. Ouais, j'ai perdu un match, Adien. Contre Seb la menace. Parce que moi je me dis si je le prends là, je vais le faire là, même je vais le faire là. Du coup, ce sera l'édition PS4. Ouais, mais du coup, après je le relancerai pas quand il y aura l'édition PS5. Est-ce que tu auras le temps de le finir? Ouais, apparemment il est pas long. Ouais, ça dépend ce que t'attends, ce que tu entends par finir. Si c'est juste faire la quête principale, ouais. Après, t'as quand même énormément de choses derrière. Hein. Ouais, t'as pas tort. Je sais pas. Là, c'est comme Valhalla, les gens disaient qu'il était pas long, moi je suis déjà à plus de 35 heures de jeu. Hein. Et tu kiffes? Franchement ouais, c'est l'un des premiers assassins que je fais. Et... Ah ouais? Ouais, les autres, bon, on me les a passés parce que c'est des potes qui les avaient, mais je les ai jamais... Excuse-moi. Non, mais j'accepte. J'accepte. Attends, c'est dans quoi ça? Pierre, ça me rappelle un sketch. J'accepte. Ah, il est beau. Ça. Il est beau.
Le meilleur assassin, c'est le 2 et Bruce. Ouais, non, moi j'avais bien aimé. Attends, c'est lequel, celui avec la Révolution française là? C'est le dernier Unique. Que j'ai fait. Ouais, c'est le dernier que j'ai fait, moi. Après, je trouvais que ça, c'était toujours pareil. Bah, après, dans celui-là, ce qui est pas... enfin, ce qui change comparé au premier que je n'ai pas fait, c'est que dans celui-là, la plupart du temps, tu peux jouer bourrin, ça changera rien, quoi. Ah oui. Ouais, Unity, ouais. C'est ça. C'est des Vikings après, donc forcément, tu pouvais pas rester sur le thème d'infiltration et bah, tout ça. Bah ouais, c'est clair. Et toi, t'as vu la série Vikings justement? En cours, je l'ai pas fini, mais. Du coup, ça te rappelle un peu le. Ouais, ouais, t'as pas mal de noms qui ressortent de face. Enfin, de. La série Viking, elle est incroyable. Oh, le triangle là, en plein milieu, j'avais décroché. Tu serais parti tout seul. J'avais pas fait gaffe. Oh, yo moi Hicham, ça va quoi? Hicham, je te fouette. J'ai joué contre un mec cet après-midi, mais je suis sûr que c'est un abo, mais il m'a pas envoyé de message. Ah, ça dépend s'il a gagné ou s'il non, a perdu. Non, je l'ai fouetté. Je l'ai fouetté. Et je me demandais si c'était pas Hicham, mais non, c'était pas Hicham. Non, moi je suis sur... tu vois, je sais pas si tu l'as pris... attends, je te mets un petit but. Ah merde. Demon's Souls. Non, ouais, je l'ai pas pris. Mais ah, il est incroyable. Il y a beaucoup de jeux en ce moment. Il est incroyable. Moi, je le trouve incroyable. La série Viking. Ah ouais. Il y a celui-là que je voulais prendre et il y avait celui que j'ai pas fait, la Ghost of Tsushima aussi que j'aurais voulu. Ah tester, mais... ouais, moi j'étais déçu. Ah ouais. Ouais. Il est bien, hein. Mais je trouve que c'est un peu le syndrome des mondes ouverts où tu sais, tu te perds, t'as tellement de trucs qu'au bout d'un moment, bah, moi j'ai décroché, tu vois. Ah, tu l'as pas fini du coup? Non, je pense que je suis à la. Merci. Oh là 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 là. Oh là. Goldmanu. Ouais, mais le pire c'est que d'habitude, même moi je le fais, mais là j'ai même pas regardé si tu l'avais pris ou pas. Ça passe pas. Ah si. Bon bah, sur le compte. Ça arrive, mais je sais pas, moi j'ai pas kiffé. Après, c'est là que tu joues contre JBEC. Il a reçu pas mal de prix cette année, celui-là en plus. Hein. Ouais, après les prix, tu sais, c'est des sensibilités aussi. Ouais, mais. Après, ça dépend. Enfin, je sais pas, niveau histoire, il avait l'air. Quand tu vois que PES 2020, il a eu plein de prix, ça te prouve que les prix, ça veut rien dire. Oh, mais... oh dommage! Oh putain, il a eu plein de prix, mais en même temps, comparé à quoi? Il y avait qui dans la liste? Que là, il a eu des prix face à quand même de bons jeux. The Last of Us 2, vrai. Moi personnellement, je l'ai fait et je pense que je le referai dès qu'il y aura la mise à jour sur PS5. Ah, il est incroyable. Il est incroyable. C'est des jeux où tu prends plaisir à les faire et puis en plus, l'histoire, elle est folle quoi. Ils font passer par tellement d'émotions. C'est guillemets. Ça. Tu mettras pas le micro, Sigam, pourquoi? Et par contre, il reste combien de matchs là? Oh! Non. J'ai tenté! Pareil, God of War, tu vois, je l'ai pas fini, Sinop. Ah, c'est pareil, j'ai pas été jusqu'au bout. Bah... J'ai fini l'histoire, mais j'ai pas tout fait. Ah ouais, mais moi j'ai même pas fini l'histoire. Et puis t'avais fait les anciens? Non. Non, mais c'est un peu le syndrome Ghost of Tsushima, tu vois, bien, mais je sais pas, ça m'a fait décrocher. Pourtant, il est pas si long, God of War, je trouve. Hein. Ouais, bah ouais, mais... Je savais même pas qu'il faisait les roulettes, Gilberto, bah oui. Mais les God of War, les premiers sur PlayStation 2, là, sur... Non, moi, c'est pas le genre de jeu que j'aime bien. Ils étaient pas en mode ouvert, quoi. Enfin, en monde ouvert. Ah, je tente. Hein. Je sais qu'il est avancé, en général. Yo, bah, la ligne, ça va? Ouais. Ça va, Kane, il s'avance pas trop. Kane, hein. Il s'avance. Ouais, c'est vrai qu'il s'avance moins que... C'est pas Neuer, hein. Moins que Neuer. Ouais, Neuer, il fait des trucs de fou, lui.
Oh là là, oh là là. Ah, c'est Puyol. Arrêtez de dire Kane. Kane, bah c'est Kane, non? C'est Oliver Kane. C'est pas Kane. Ouais, je dis Kane. Ouais, je suis con. Prenez Demon Soul et Cyberpunk. Ouais, Cyberpunk, je pense qu'on commencera à kiffer le jour où ils auront corrigé tous leurs bugs, là. Eh bah, bien joué, mon... Ouais, bien joué à toi. Merci. Au plaisir. Ouais, mais bah, vous dites oui. Kane. Ah, écoute. Un autre dimanche, hein. Vas-y, pas de soucis. Salut, mon Pixie. Du coup, c'est qui après? JBEC, tu veux ou pas? Allez, ciao. Allez, ciao, Mika. JBEC, tu veux ou pas? Il y a Codina, anciennement, bah, tout. Mais on n'a pas tous les mêmes. On n'a pas tous les mêmes. Envoie le code. Ah, attends, je t'envoie le code, JBEC. JBEC, il est où? Je t'envoie le code sur par message privé sur Twitch. Vas-y, t'es prêt. Quoi comme équipe 4 étoiles, on met quoi? Grâce à toi, je fais une série de 5 wins, mais ça compte pas en tout. Attends, 6 games, juste 2 secondes. On fait juste un match avant, parce qu'il est là depuis le début, et il a pas Discord. Voilà. Tu m'as bien chauffé. 3 étoiles. Tu préfères quoi? Tu veux une 3 étoiles? On peut faire une 3 étoiles si tu veux. Vas-y, on se fait une petite 3 étoiles. Salut Maninouche. Au plaisir. Pépite. Bienvenue Stranger. Ah mais c'est pas ma pépite ça. Attends, elle est où ma pépite? Ah là là, argent. Voilà. T'inquiète, tu auras la revanche. Attends, putain, j'ai plus mon gardien. Ah, j'avais mis Bernard. J'avais mis Bernard Donny. J'ai pas le code. Mais si, t'as le code. Va voir sur Twitch, t'as reçu un message privé. Ah, j'en ai dégagé plein. Ah, j'ai dégagé plein de boules argent. Tac. Luthor 5, abonné 1. Ah, ça me plaît ça, les gars. Alors, ils sont où les mecs pour me fistole là? Yo, mon Cécilio, ça va ou quoi? Mais attends, JBEC, je crois qu'il est chaud. Hein. Ah, ça y est, il est là, JBEC. Attends, on va enlever Fisher Price. On va enlever Fisher Price. On va mettre notre petit Lecco. Voilà. PTDR le code, j'avais mis Zizi. Ah, j'ai mis un truc adulte. Hein. J'ai mis un truc adulte. Alors, là, on va mettre ça. Ok. Jonathan David, Kevin Albert, Foden. On va mettre Dalo. Putain, il y a les notes. Okay. Et il manque puis que ça m'intéresse. T'as, j'ai pas de ça va être dur. C'est good, t'as 3 étoiles. Ça va être dur, ça va être dur parce que j'ai pas les bons joueurs pour le dispositif, mais c'est pas grave. Ça va, Drac? La forme, les gars? Indulgence, c'est l'équipe de Lens. Il n'y a pas d'indulgence. Il n'y a pas d'infulgence. Allez, c'est Tipa. C'est Tipa, mon JBEC. Ah, la pelée. T'es en quête étoile, merde. Je suis en quête étoile. Attends. C'est vrai? Ah, merde. Mais pourtant, j'étais en 3 étoiles non, avec cette équipe-là. Comme un dimanche. Attends, j'ai mon Phil Foden. On va le mettre là. Putain, j'ai pas de défenseur. Hein. Oh, j'ai pas dit, on va jouer avec Malanga. Hein. T'es en 4 étoiles. Merde, bah je fais comment, les gars?
Est-ce que tu veux qu'on revienne en arrière? Salut mon Ezache. Je suis en 4 étoiles. Hop. Placement fixe. Bon, bah, comme ça ferait une excuse si je le bats. Ok, les gars? Ça ferait une excuse si je te bats. T'as, en fait, t'as rien à perdre. T'es sûr de gagner. Parce que même si tu me bats, bah, du coup, on dira que c'est parce que j'étais en 5 étoiles. En 4 étoiles. Voilà. C'est pour le fun, et bien sûr, c'est pour la foune. Il fait beau, oh, oh, oh. C'est Game Abonnésage, ouais. Il est beau, mon maillot. Il est beau, mon maillot. Je commence à être plus concentré. Après, on fera deux derniers matchs, et après, on arrêtera là. On reprendra, on en refera un dimanche, pas là, dimanche l'autre. Ce dimanche-là, je bosse. C'est ça, Manjal, le drama. C'est ça. Le drama. Oh. Ah ouais, Hicham, il a 6 millions de crédits. Oh là là, c'est ouf. Allez, c'est parti. Ah ouais, putain, ça me change. On va voir, les gars. Ah là, au moins, c'est un vrai... Après, moi, j'ai une foule argent. Foule sentimentale. On a soif d'idéal. Laurent Voulzy, les gars. Représente Laurent. Ouais, tu vas pas me dribbler avec Cahuzac quand même. Mais non, mais non, mais non. Mais non, ils se rentrent dedans, ces cons-là. Allez. Ah, je tentais à tout droit. Allez. Oui, 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 oui. Ah, mais c'est une 100% lanceur, j'avais pas vu. C'est Alain Souchon. Ah ouais, c'est vrai, c'est Alain. Je suis con. C'est Alain Souchon. Ah, c'est pareil, les gars. Ah, dommage. Salut Maïden, ça va ou quoi? C'est Alain Souchon. Oh, Alain Souchon, Laurent vous le dit, c'est pareil, les gars. T'es, il joue avec Cahuzac, quoi, le JBEC. Ah ouais. Ah ouais, il a pas peur. Y'a rien, monsieur l'arbitre. Ouais, j'ai flippé. Là. Oh, refais une passe. J'ai une extra passe à faire, je la fais pas. C'est quoi ce but? Ah ouais! Ça va, mon Maïden? C'est quoi ce but? Ça fait une espèce de lob! La suite, ce sera 6 games et après Dark. Attends, Martinelli, il a mis un vrai but. Hein. L'Arsenal, l'Arsenalien. L'Arsenalien. Le Gunners. Allez, bien joué, Bernardoni, le beau gosse. Ah, il a dégagement en bas, ça va. Putain, il était parti seul au monde. Je suis seul au monde. Ouais, il est beau le but. Attendez, les gars, on n'est pas là pour... Mais Seagame, je crois qu'il est chaud. Hein. Seagame, il me semble qu'il est chaud. Je sais plus. Combien t'as de points, Seagame?
Oh la vache, t'es au physique. Allez. Mais qui se gêne. Putain, ils se gênent, ces abrutis, ils sont ensemble. Ah! Ok, ça marche. Je compte les abonnés, bah oui! C'est le principe d'un live VS Abo. Ah, j'ai tenté. Oh, mais évite pas le ballon. Y'a rien. Y'a rien. Ah, vous voyez le PSG gagner, les gars, ce soir. Il est bien placé, son Doucouré. Allez, Bernard. T'es à 400, menteur. Bah ouais, ouais, Sinop, c'est vrai. Faudrait qu'ils mettent un thème de débat, tu vois. Oh. Y'a pas faute, là. Oh là 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 là. Je sais pas, les gars, vous avez envie de débattre sur des trucs ou... Peut-être des trucs que vous aimez pas. Y'a peut-être des mecs qui m'aiment pas. C'est le moment, les gars. Ça passe, ça. Attention, ça passe pas. Coup d'épaule. Oui, oui, chérie, si tu veux. D'accord. Ouais, j'ai tenté un truc de fou. Moi, oui. Qu'est-ce que super jupé. Ma mère vient me voir, elle a une queue de cheval, elle me dit « Demain, tu m'emmènes comme ça. » Oui. Oui, d'accord, oui. C'est lourd, mais ça va, ça joue. Ouais, c'est vrai que c'est lourd. Ce qui est... Quelques fautes oubliées, mais il n'y a pas de fautes oubliées sur PES. Il n'y a pas de fautes sur PES. Donc il n'y a pas de fautes oubliées vu qu'il n'y a pas de fautes. Oh, et là, il n'y a pas une faute peut-être. Escroc. Calvert-Lewin, t'as pas honte. Ah, t'as quand même chaud, hein. Jean-Louis Leca, là. Jean-Louis Leca. Jean-Louis Leca. Allez, donne-moi ça, coquinou. Oh, applique-toi. C'est chaud, hein? Ah oui, quand même! Il a eu chaud, il a eu très très chaud. Il a eu très très chaud. Ah, c'était pas pour lui. Il y a quoi? Ah, mais c'est pas pour lui! Ouais, John, d'ailleurs, je suis passé à la télé sur ES1 pour PES et je vais passer encore pour une nouvelle émission sur PS Mobile. Donc, quand, je sais pas. Il devait me prévenir. Finalement, je suis tombé dessus par hasard. Je regardais par hasard, je suis tombé sur moi. Ah,
Ouais. Bah, c'est pas. Bah, je suis tombé sur moi à la télé, chérie. Écoute, c'est pas prétentieux, il me demande. Chérie, je suis tombé passé à la télé, je suis passé à la télé, excuse-moi. Bah oui, écoute, excuse-moi, excuse-moi de. Quand j'aurai une série Netflix, tu la ramèneras moins. Pardon? Pourquoi il y aurait pas une série Netflix sur ma vie? Oui, bah elle est pas transcendante depuis que je suis avec toi. Ah, tout ce qui s'est passé avant, c'était très transcendant. Mais je t'ai menti, chérie. Je t'ai même pas raconté l'histoire avec les castors tueurs. Je t'ai jamais raconté ça, chérie. Eh, te cassez pas! Oh, les contrôles, par contre, c'est fatigué. C'est des contrôles de fatigué. Oh, y'a rien! Y'a rien! Ah, mais t'as vu, elle me respecte pas, elle me respecte pas. Je suis pas prétentieux, je suis passé à la télé deux fois, madame, 3, 4, 5 fois. Quand je serai invité par Jean-Pierre Pernaut, ça la ramènera moins. Oui, chérie. Ah si, merde. Attends, bah là, je suis en train de faire un truc. Bah, bah non. Mais non, je vais les faire, on va les faire, t'inquiète. T'inquiète, chérie, c'est rien ça. Putain, je me fais daronnette, les gars, daronnette en live. Faut que je ferme ma porte à clé, faut que j'y pense, les gars. Wow. Je suis mort, ouais. Putain, je me suis fait daronnette. Il n'y a plus de respect, les gars. Non, c'est pourri ça, Luthor. C'était les guidés. Arrive. Ouais, ouais, je vais arrêter, les gars. D'ailleurs, il en reste deux, les gars. Ça vous dérange pas si on le fait la prochaine fois? Vous passerez en priorité. Ah, dommage. Là, 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 je vais devoir y aller, les gars. Il y a une urgence. Il y a une urgence. Bam. Pas sûr d'être là demain soir, les gars. Ah, désolé, mon Simon. Mon C-Game, pardon. Ah, je pense que demain, je serai plus parmi vous. Carton rouge, grave. Ah, ça arrive. Reste fort. Ah, bien joué. Aïe, 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 elle m'a fait sortir de mon match. Elle m'a fait sortir de mon match, les gars. Pas mal, ma petite équipe. Oh là, il est fort, Calvert. Hein. Calvert Lewin, je vous le conseille, les amis. Il est fort, il est pas cher. C'est scripté.
Là, c'est parce que je suis en 4 étoiles, mon. Oh, dommage, c'est parce que je suis en 4 étoiles, mon Jibek. Sinon, t'aurais gagné. T'aurais gagné. Et je vais mettre la rediff sur YouTube, les gars. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à tout ce que vous voulez. Bon, du coup, je mettrai pas qu'il n'y avait pas de débat. Je mettrai pas live débat. Je mettrai live VS Abo. Je vous ai fumé. Une défaite que je vais enlever au montage, bien sûr. Vous connaissez l'astuce. Oh, dommage! Ouais, je vais enlever la défaite au montage, les gars. On n'en parlera pas comme ça. Et les droits d'auteur. Ah, Bernard Denis, il est chaud. Hein. Mais ça, c'est parce qu'il est chauve, les gars. Vous n'avez pas confiance en les chauves. Ouais, c'est fini. Yes! Ah, je rigole. Bien joué, mon Gibec. Bien joué, mon Gibec. Et tu gardes la torpille que tu viens de prendre. Bah oui. Oh putain, j'ose même pas sortir du bureau. J'ose même pas sortir du bureau, les gars. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Ah, j'ai peur. J'ai peur, j'ai peur. Il y a qui est en live? Attendez, les gars, on va aller. On va aller raid. Il y a El Dada ou il y a Zizou? On va aller raid El Dada. Allez, vous lui passerez le bonjour. Moi, je vais aller manger ma soupe. Allez, vous passez le bonjour à Dada. Un plaisir de t'avoir reconnu. Et je vous dis à demain soir, les gars. Voilà. On finit en 6-1. Allez, allez voir El Dada. Bisous les amis, à demain. Ciao les gars, I love you. Sauf celui qui m'a battu, Seb. Toi, je t'aime plus. Ciao.